40 000, un truc comme ça. Ouais, bah non, alors le prends pas. Et essaie répartisseur de puissance, par contre, ça va être le fou en 4A obligatoirement. Ok, alors. Là, il est en 3. Pff, bon, il... la merde. Regarde si tu peux l'avoir en A. J'ai en 3A. C'est Et que coûte du 3 combien? mois que je peux. Et coûte combien? 158 000, donc ça je peux le prendre. Prends-le, ouais. Ça t'en aura besoin. Ok, bah une fois que t'as tout acheté, tu sors et on va aller chasser et puis tu. Ah, T'es sûr? T'es sûr? Parce que là je pense que je peux le prendre le générateur. Non, le prends pas. Parce Ah que ouais, non, si tu vois, jamais ça je peux plus. t'exploses, de toute façon, si jamais t'exploses et que tu dois rembourser ton vaisseau, tu auras pas de quoi le payer. Et Ok. donc on va te faire des réserves d'abord. Ok, pas de problème. Venir. Donc ouais, en bouclier, t'avais ce 4. Alors, bon, là, t'as pris des survolteurs, donc c'est des A, ton bouclier sera beaucoup plus costaud qu'avant, mais. Le problème des survolteurs, c'est que ça renforce ton bouclier, mais qu'il est plus long à se recharger maintenant. Donc, 1500 en plus que j'ai gagné là. Les primes. entre chaque pas, il faudra que tu mettes tous tes points en système pour récupérer tes shields plus vite. Ok, donc là je mets tout en moteur. Channel switched. C'est parti. Maréchal. Guerrier, repos. Sortir un petit véhicule. Je peux pas sortir de jolis véhicules encore, mais bon. Attendez, je règle ma radio. Mais on a les mêmes véhicules en fait. Enfin, ici j'ai droit au Land Rover, tout ça, mais c'est des véhicules qui, en cas de course-poursuite, ne dépassent pas le 90 ou 100, donc c'est un peu compliqué. Ah oui. Du coup, on va partir en patrouille, on va partir sur Tanuker, hein, tranquillement. Prends Allez, le va. volant? Oui, je prends le volant. Si vous pouvez me donner les clés, maréchal. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Les armoires. User joined your channel.
aux différentes villes que vous avez faites, vous avez toujours été gendarme alors? Oui, toujours. Gendarme ou douanier. Ouais. Ou l'armée. Patrouille hier soir, vous avez procédé à beaucoup d'arrestations ou pas du tout? Oui, c'est bon. D'accord, parce qu'en fait, j'ai remarqué que vous avez reçu une amende. Moi-même? Oui. Comment ça, j'ai reçu une Vous amende? avez, ben, en fait, dans les logs, on a vu que vous avez reçu une amende. Un gendarme vous avait donné une amende, en fait. C'était un Ah peu bizarre. oui. Il m'a demandé plusieurs fois de payer en fait, il faisait très très sombre et il a pas fait gaffe que c'était son collègue au lieu de du prévenu. D'accord. Pour aller jusqu'aux mines d'argent, livres et étain. C'est les comme ça. Sécuriser les zones civiles. À mon avis, il n'y en a sûrement pas beaucoup qui le font, mais bon. Procéder à un petit contrôle juste pour vérifier qu'il y a la personne. On fait ça. Merde. Il dirige vers les mines. Moi, gentil civil, mais. Gendarmerie nationale. Bonjour monsieur. Sortir du véhicule s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Magnifique. Et devant les phares qu'on puisse vous voir. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites de beau par ici? Ah, je viens de me réveiller là, j'allais partir travailler. Me présenter vos papiers s'il vous plaît. Ivankov, c'est bien ça? Je le prononce correctement? Très bien. Je suppose que vous n'avez rien de déclaré d'illégal sur vous ni dans votre véhicule. Non, j'ai rien du tout, oui. D'accord. Vous pouvez quand même me donner les clés du véhicule, du coup? Parce que je vais vérifier. Permettez. Et en effet, tout est en règle. Poum, poum, poum. Vous avez le permis de conduire, c'est immatriculé.
Vous voulez qu'on procède à une vérification de plaque, brigadier, ou vous pensez que c'est pas nécessaire? Bon, peut-être quand même vérifier, hein. Ouais, très bien. Je vais dans le véhicule, vous me dictez. Oui. Ou alors, ouais, non, je vais reculer le véhicule derrière, peut-être. Non? C'est pas terrible. Alors, l'immatriculation, maréchal, c'est PIRE tiré 74 65. L'immatriculation, c'est PIRE tiré du 6 74 65. Appartenant à monsieur Herman Ivankov, donc tout est en règle. Bien, monsieur Ivankov, l'immatriculation est à votre nom, tout est en règle, vous avez votre permis de conduire, rien d'illégal, donc on va vous laisser retourner à votre travail, D'accord. votre coopération. Rien. Bonne journée à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors. Je suis pas dans ta liste rouge, c'est cool. Non, j'ai pas cité de nom. Je peux pas me permettre de mettre des noms. Faire tranquillement ça. Petite journée de travail. Bien, la même des Russes. Sous polonais, je ne sais pas.
Comment ça se fait que vous avez un logo sur les côtés du véhicule? Oui, merde. C'est en fait. En vérité, c'est un truc totalement buggy. D'accord. On paye sur le site Bohemia pour faire le retirer. Parce qu'en fait, logiquement, c'est le truc que j'ai en tant que civil, tu vois. D'accord. Logiquement, ça se désactive, mais comme Bohemia est buggy, j'ai carrément désinscrit sur Bohemia. C'est le truc que je zappe à chaque fois. Tout le fait que c'est rare quand je prenne le volant. Parce que quand je prends le volant, justement, ça me met ce logo-là et c'est pas très. Non, mais. Et même tout à l'heure, quand vous étiez passager, il me semble. Ah, normalement, ça se met que quand je suis conducteur. Ok, d'accord. Il faudra vraiment que j'aille désactiver ce truc. Ah, bah oui, c'est le monsieur qui fait. Véhicule à gauche. Ouais, c'est le véhicule qu'on a arrêté tout à l'heure, je pense. On va regarder la plaque. Puis, c'est chiant quand on est dans la bétaillère, on ne sait pas regarder partout. Ah ouais, t'es pas. Ouais, c'est vrai que sur l'avant c'est un peu compliqué. Ah non, mais. Mais le monsieur roule quand même relativement vite. Moi je suis à 125, je ne le rattrape pas. C'est quoi, c'est 90 hein, sur ces routes-là? Ouais. Plus ralenti, mais bon. Je vais faire un petit rappel de. Ordre. Hein. Ouais. Ah, c'est bien la personne de tout à l'heure. Rebonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je tiens à vous rappeler que en question de sécurité routière, la route ici c'est 90 km/h. Hein. Je vous suivais, j'étais à 125. Hein. Ah, j'étais à 90, peut-être sur la petite descente, j'étais plus proche des 100, oui. Ah oui, oui. Quand même pas. Ah bah écoutez, j'étais à 125 km/h, je vous rattrapais pas. Et ensuite vous avez ralenti. Bah pour cette fois-ci, je vais pas vous amender du coup. C'est quelqu'un de plutôt coopératif et. Et pour la prochaine fois, ce serait une jolie petite amende. Hein. Parce qu'avec cette vitesse à 90, et vous mettez votre vie en danger, la vie de personnes que vous risquez de croiser. D'accord. Je vais être gentil, sympathique cette fois-ci. La prochaine fois, vous aurez droit à l'amende. D'accord, monsieur. Soyez prudent et levez le pied, monsieur. D'accord, je ferai plus gaffe à la vitesse. Au revoir, monsieur. Mais bonne journée. Bonne journée. Mais pourquoi il monte à l'arrière, ce con? Il faut que tu vises le pneu avant droit. Tu l'auras amendé toi? Non. Ah, rien. Ou en plus, pas ici du cuivre. Il n'y avait pas une conduite dangereuse de. Bon, par contre, si la prochaine fois on le reprend. Clairement. User left your channel. Thank you.
User joined your channel. Ce que j'ai compris, un arrivage gouvernemental ce week-end. On a peut-être droit à de nouveaux véhicules. Ah. J'espère que du coup on va sortir autre chose. Mais bon. User left your channel. User joined your channel. Descendre vers le sud, vers l'aéroport de Michou. User left your channel. User joined your channel. Dites-moi, maréchal, une situation. Un rebelle. Bah vous venez à prendre un rebelle avec un véhicule rebelle qui refuse de payer l'amende. Qu'est-ce que vous en faites de ce monsieur? C'est direction la prison en fait. En plus, trois fois de payer l'amende, c'est casse prison. En fonction du délit commis, les années de prison quoi. Bah, rebelle, véhicule rebelle, ça prend combien de temps ça pour vous? Moi je lui mettrais 15 ans, donc ouais. L'ennui c'est que c'est, vous avez vu sur le site gouvernemental, c'est pas très clair, donc c'est laissé à l'appréciation de chaque gendarme. Donc, moi je lui mets 15 ans, et il faut savoir que sur l'île il y a une règle, c'est une fois qu'on fait la casse prison, il y a 30% du compte en banque qui disparaît du site gouvernemental. Ça j'ai entendu, oui, ça hier soir. Automatique. Donc la plupart du temps, sauf si c'est des gens très pauvres, la plupart du temps, ils paient. Ce qu'ils font souvent, c'est essayer de gagner du temps à discuter, à ne pas payer tout de suite pour que leurs collègues viennent essayer de les sortir de commissariat ou du tribunal. Il faut savoir aussi, brigadier, c'est quand vous avez une personne dite connue, c'est ici qu'il faut l'emmener au tribunal. Juger approximativement pour le moment. Pour le moment, c'est la gendarmerie, le plus haut gradé, qui rend le jugement, on va dire. Donc c'est un petit peu bizarre, mais ça va changer très rapidement. Il va y avoir élection de procureur, une société d'avocats et tout ça qui va se mettre en place. Comme ce que mes petites oreilles ont entendu hier. Et ça va pouvoir rajouter un petit peu de... User joined your channel. Ça fait, ça pourrait être très très bien. Mais pour l'instant, c'est vrai que la gendarmerie qui rend... Le jugement, c'est un petit peu... User left your channel. Dans un sens, quoi. Et si vous le mettez en prison, mais qu'il doit aller s'endormir, comment ça se passe, du coup? Normalement, une fois qu'il est en prison, il ne peut pas. Il doit faire sa peine, et seulement ensuite, il est endormi. Pris à s'endormir, donc juste pendant qu'il est dans la prison, ça risque très mal se passer. À ce moment-là, c'est plus les gendarmes qui prennent les choses en main, c'est au-delà. Vous voulez savoir ce que je faisais, moi? Moi, je prenais radio, GPS, carte, personne démunie de tout, un sneakers, une boisson. Et je le balançais à 10 km du large. Ah ouais. D'accord. Vous étiez méchant, vous étiez un vilain, vous. Non. Très bon, mais pas con. Parce que c'est souvent quand vous interpellez ces gens-là qu'ils doivent partir s'endormir, en fait.
Ça c'est tristesse. Hein. Et puisque nous ne sommes jamais tous ensemble en service, normalement quand il se réveille, il doit être dans la prison. Logique, oui. Mais une prison, elle doit être gardée normalement tant qu'il y a un individu dedans. Oui, ça aussi c'est un problème que j'ai relevé. Si t'as pas une personne dite très importante, il n'y a aucune protection, il n'y a aucune sécurité. Que la personne, on la met en prison et il n'y a personne pour surveiller. Si personne... chef de gang ou des choses comme ça, que là oui, parce que les gens savent qu'il va être sorti de prison. Pas de problème. Et souvent, comme il n'y a pas énormément de gendarmes en service en même temps, beaucoup, enfin, les gradés disent qu'on va pas utiliser une unité complète pour une surveillance de prison. Donc c'est pour ça que moi je les mettais à l'eau. La plupart du temps, on verra, il paye. Il paye. Alors, il y a la prison à perpète aussi. Je sais pas si ça vous avez. Ah non. Ah, c'est en fait donc la prison à perpète. En fait, ça équivaut à ce que la personne perde toutes ses compétences insurgées. Donc, il perd toute licence et tout ce qui a un rapport avec des armes à feu. Il perd 50% de son compte en banque. Et vu qu'il est en prison à perpète, il doit changer de vie. Ah, c'est pas mal ça. Totalement changé de vie. Il n'y a plus aucun souvenir de rien du tout. Ça doit être. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, c'est ce qui s'est passé pour un chef de gang. Bon, il n'a pas trop apprécié, du coup, on l'a plus trop vu sur l'île. Bon, il avait fait un attentat, il avait fait exploser une maison juste en face du QG de Georgetown. Donc, J'avais conféré les menaces directement sur les appels d'urgence, tout ça, en citant son nom et tout, donc on avait un joli dossier sur lui, quoi. Et comme il se pensait imprenable, une heure après, il s'est fait prendre. Dans ce cas-là, il faut savoir que la gendarmerie fait un appel à la population de demande de renseignements encore à la personne recherchée. Bien sûr, tout se passe en anonymat et protection de témoins et autres. Et c'est très très rare. Surtout à l'heure actuelle, vu qu'il n'y a plus vraiment de vraiment dangereux insurgés. Plutôt sur le point d'arc-courant. Il y a un véhicule rouge là-bas. Il s'est pris la porte, genre. Voilà. Tu peux me dire la plaque Alors, TZ 97 45 NTS. Pour que véhicule pour TZ 97 45 NTS. DZ c'est moi qui me suis trompé. 97 45 NTS. Cherche en cours. Véhicule voiture à Lyon. Papy Ferdinand, propriétaire. Rien d'illégal.
je vois personne. Parce que la personne est peut-être partie au garage ou au marché un petit peu là-bas. Quand c'est comme ça, on peut pas faire un appel sur la radio 112 pour. Non. Si, c'est une très bonne idée, oui, c'est une très bonne idée. Véhicule à ion rouge, plaque d'immatriculation DZ9745NTS à l'abandon et accidenté sur le pont d'Harcourt. Si la personne à qui elle appartient pouvait se manifester, ce serait gentil. Dites Maréchal, on pourrait pousser un peu le truc et faire appel au SP, non ? Pour peut-être faire une fouille dans l'eau ou... SP, Il est peut-être passé au-dessus de la palissade là et tombé dans l'eau. Hein. Pour les secours, non ? Ah ouais, carrément, ouais. Je vais mettre sur la 113 du coup. Donc ils sont bien dessus. C'est pas 52.2 les secours ? Mais c'est parce que... Ouais, on peut essayer la 52.2. Je balise la zone, hein, Maréchal ? D'accord, d'accord. Gendarme pour midi. Gendarme pour midi. Gendarme pour médic. On peut pas baliser en fait, ça tombe dans l'eau. Ouais, c'est un pont magique, ok. Gendarmerie pour médic. Vous êtes sur quel canal là? J'ai essayé la 52.2, la 52.3, maintenant je vais essayer la 113. Hein. Gendarmerie pour médic, vous me recevez? Gendarmerie pour médic, vous me recevez? Ok, bah je pense que c'est mort pour le médic. Hein. On va tout essayer. Ah mais c'est la 112, on sait jamais. Gendarmerie pour médic. Gendarmerie pour médic, dernier appel. J'ai essayé toutes les fréquences. J'essaie de contacter les secouristes via par message peut-être. Vas-y. C'est embêtant qu'on puisse pas baliser ici. En plus le véhicule est ouvert. En plus, le civil n'est pas sur la 112 parce que c'est pas obligatoire. Elle m'a vu qu'il a pas entendu. Pas à fond. Regardez dans l'eau, mais je ne vois rien du tout. Négatif. J'en refais dernier. Avec l'immatriculation, on a le nom de la personne, mais bon, c'est un peu moyen de trouver son numéro du coup. Par contre, médic sur aucune fréquence.
Ah, il arrive, il m'a envoyé un message, il arrive. Ah, ok, d'accord. Il va falloir le rappeler à l'ordre sur ces fréquences, ça va avoir obligatoirement 6 garçons-là. Sur la 112 maintenant. Sur la 112, transmettez. Ici la gendarmerie. Ok, d'accord. J'ai pas entendu moi, vous avez entendu, Maréchal? Oui, j'ai entendu. Oui, j'arrive sur mon oreille droite. Donc l'oreille droite égale 112. Ouais, c'était bref aussi. Très bref, ouais. Bon, bah, il est certainement sur Tanuka, donc il va arriver. Il va peut-être arriver en hélico, je sais pas du tout. Bah, le civil, malheureusement. Étonnant parce que moi j'aurais cru qu'il était ou du coup oui il est dans l'eau et on le voit pas, il est sous le pont, ou alors il est dans la ville là-bas et il galère à trouver un truc pour réparer son véhicule puisqu'il n'y a pas de dépanneur et rien de présent pour l'instant. Par contre, perdre le contrôle sur un pont comme celui-ci en ligne droite, c'est un peu bizarre. Hein. On va lui faire un petit test d'alcoolémie. Je vais donner la position exacte au midi, je suppose. Oui, j'ai dit sur le pont de Harcourt. On a accès tout de suite sur la berge après le pont, Maréchal, normalement, non? Tout de suite après le pont, bah. Enfin, il faut qu'on revienne sur nos chemins pour arriver au truc. Faites attention, j'ai cru que vous aviez sauté. Oh. Je ne sais pas nager en plus. Nager. Ah là là, vous serez jamais garde-côte alors. Ouais, avec un bon gilet, ça va. C'est pas faux. Regardez de l'autre côté quand même. Ah bah il arrive en hélico, il est juste au-dessus. Bon, le temps qu'il se pose, je fume une cigarette, hein, Marshall. Ah bah je vais faire pareil, je vais m'enlever une petite. User joined your channel. Bon, alors nous avons un petit souci d'un véhicule accidenté. J'ai pas la. Monsieur. Et justement, c'est pour ça qu'on vous appelait, c'est pour essayer de vérifier si avec votre hélico vous ne pouvez pas descendre pour voir si vous ne voyez qu'une personne un corps en fond sous l'eau. Les gars, j'aime pas faire de HRP, mais c'est mon corps, n'essayez pas le. Sinon ça me refait repop. D'accord, ça, ça va tout merder, laisse tomber, j'étais avec un gars qui avait pris ma voiture. Ok, parce que d'accord. hier on a fait ça et laisse tomber, ça m'a fait. Ça m'a retépé sur le médic qui m'avait réanimé mon cadavre d'il y a 2 heures. Ah ouais, Un peu c'est vrai relou. que c'est.
C'est un peu la misère, en effet. Donc du coup, c'est votre véhicule, le Lion Rouge, là? Ah, je l'avais prêté, monsieur. Vous soyez, monsieur, hein, parce que je vois que vous avez des... Non, je fais bien, monsieur. Ah non, monsieur, je vois que vous avez quelques blessures à la jambe. Ouais, comment ça? Pourtant, je vais très très bien, mais bon. Si vous le dites, j'ai confiance qu'en vous. Ouais, monsieur, je disais, ouais, je véhicule là-bas. Je l'ai prêté à mon collègue, et puis il est malheureusement décédé. D'accord. Par contre, il va falloir essayer de bouger ce gentil véhicule. Hein. Parce que le laisser là au milieu du chemin, c'est pas très... Pas très orthodoxe, hein, c'est risqué. Du coup, on a fait un appel à la 112. Messieurs, bonjour. On a vérifié les plaques. Et ça, bonjour. Ça... Présentez vos papiers, comme ça je sais si c'est bien votre véhicule. Je suis garé. Je vous ai pas entendu, pardon. Ferdinand. En effet, c'est bien votre véhicule, là, Lion Rouge. On est d'accord, monsieur, mais je malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez faire appel à des services pour pouvoir la mettre en fourrière. Ça serait bien. Bah, je vais contacter le PC Maréchal, je vais voir s'ils ont une dépanneuse de disponible. Moi, j'ai pas les bonnes qualifications pour réparer ce véhicule, malheureusement. Hein. Et je sais pas ce qu'il a fait avec le véhicule, mais hein, il roulait très très vite, hein, vu l'état de la voiture. Hein. User joined your channel. Vous avez un cône dans l'eau, monsieur, vous ferez attention. Ouais. On n'arrive pas à baliser cette zone C'est normal, monsieur. Pont magique. J'appelle ça le pont Gasper. Ouais, c'est pareil pour le pont en fait, du coup. Bon, on a bien tout une dépanneuse de la fourrière qui va arriver, Maréchal. Ah, ok, c'est très bien. Gentil, monsieur. Bah, du coup, je vous remercie de vous être présenté quand même sur le pont, monsieur Ferdinand. Ouais, y a pas de souci. Bah, de toute façon, il y a l'hélico qui me gêne. Je vais repartir. Non, mais. Bah, de toute façon, je vais me garer plus loin et puis je vais descendre, mais à mon avis, on peut rien faire. Bah, non, à mon avis, le corps là, monsieur, à mon avis, il est mangé par les piranhas là. Je pense. N'essayez même pas, vous allez vous faire mordre le petit biscoutou. Le petit biscuit. À mon avis, il est irrécupérable. Il est irrécupérable. Ah, ouais, non, mais. Je pense qu'il est irrécupérable, comme vous dites, hein. Du coup, merci beaucoup. Médic, par contre, sur quelle radio étiez-vous? J'étais sur la 113. 52.2. Ah, parce que j'ai fait deux appels dans la 52.2. J'ai même essayé la 52.3 au cas où il y avait une erreur sur la 113 et j'ai jamais eu de réponse. C'est mon brigadier qui a dû faire un appel message SMS pour que vous puissiez venir sur zone. Donc c'était un petit peu bizarre. Ah, merci beaucoup. D'avoir enlevé ce véhicule accidenté. Je vais essayer de régler ça, mais enfin, en fait, je suis sur vos fréquences et. Oh, très bien, il n'y a pas de souci. Et vous, monsieur, ce serait bien que vous soyez sur la 112 parce qu'on a fait un appel à la 112 avec le numéro de plaque. Ah oui, bah, c'est vrai que j'ai pas de téléphone portable en ce moment. D'accord. C'est vrai qu'il faudrait que j'en ai un. Mais étant donné que je suis allé voir le docteur et. Que je dois appuyer sur ma gorge en fait pour parler et ça me fait parler aussi sur le téléphone, vous voyez. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est un peu embêtant. Vous venez d'où avec votre camion du coup? Avec mon camion? Okay. Ah bah je sais pas en fait, je voulais rejoindre l'île. L'île qui se situe de Lijaven. Okay. Merci monsieur encore. Hein. De Lijaven à l'île de Savaka. D'accord. Et en fait, je pensais qu'il y avait un pont, mais j'ai l'impression qu'il n'y est plus. Ah, mais il n'y en a jamais eu. User joined your channel. Ah bon? Ah, écoutez, ça fait pas loin de 3 mois que je suis sur cette île et je n'ai jamais vu. Je me tapé 10 km pour rien, c'est pour ça que j'essaie de passer par l'autre côté. User left your channel. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire de beau là-bas? Bon, je sais pas, je me balade un peu, j'essaie de regarder un peu toute la carte. Toute l'île est tellement magnifique que voilà quoi. D'accord. Pas de soucis. Vous voulez vérifier le camion? Ça va aller, il n'y a pas de problème. D'accord. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Dans votre visite alors. Hein. Au revoir. Au revoir, monsieur. Quel véhicule du monsieur? Il était arrivé juste après, donc il est bien sûr parti chercher un véhicule pour un recours, à mon avis. Dites, Maréchal, j'ai des doutes sur l'individu au camion.
Quand je suis arrivé sur l'intervention l'autre jour où il y avait plus de 60 sachets de marijuana, l'immatriculation du véhicule était similaire à un numéro près. D'accord. Là, c'est pas faire demi-tour. Regardez où ce monsieur. Je vais faire ça, je venais de travail. Hein. Il est parti à gauche ou à droite? Embêtant. Il disait partir à gauche, mais à mon avis, on va aller voir à droite. C'est un véhicule très rapide, donc. On va passer vite. Ah. Il est pas sur la route là. Vous avez déjà pris un véhicule avec une plaque similaire avec. Oui. Le marijuana alors, ok. Logique. D'une valeur de plus de 500 000. Ok. C'est un véhicule similaire aussi ou pas? Oui, même identique. À mon avis, là, il était à vide. C'est vrai qu'il y a un sérieux doute maintenant. Je vais vérifier sur mon smartphone au niveau des photos que j'avais prises le jour, là, attendez. Ah, j'aurais dû noter sa plaque. Ici, son nom, c'est Monsieur Ferdinand, si jamais ça peut vous aider. Là, j'ai Jim Lowe. D'accord, donc c'est pas la même personne, sauf non. S'il s'amuse à changer le. Non, ici, c'était Monsieur Ferdinand. Je vais demander ses papiers pour citer bien son véhicule. Monsieur Ferdinand. Bon, maintenant, c'est peut-être des amis, hein, donc. Des plaques similaires. Connaître, si possible aussi. Par contre. C'est étonnant parce qu'on ne retombe pas sur lui justement. Un véhicule très lent, les amas, tu vois. Il a peut-être dû couper court. Hein. Il est là en fait. Non, c'est pas lui. Si. On fouille quand même à la fin. Ouais. C'est moi, monsieur, je suis au téléphone, je m'arrête aux côtés de la route hein, pour pas rouler au téléphone. Bah c'est quand on a un véhicule de ce type, en fait, qui est un peu recherché. Est-ce qu'on peut le contrôler, la contenance, monsieur? Ah oui, il n'y a pas de souci. Alors, attendez. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je suis au fond de ma poche. Vous avez combien de véhicules de ce type, monsieur? De ce camion-là? Oui. Un seul, je viens d'arriver, je suis pas là il y a très longtemps, moi. Hein. D'accord. Et monsieur, je vous donne à quelle personne? À qui vous voulez, monsieur. C'est peu importe, ça, oui. Magreg, il a l'air sympa. C'est gentil, monsieur, merci. Ok, on va regarder. Moi, je rigole, monsieur. Fouille.
Pourquoi il a été recherché, pourquoi monsieur? Il est recherché, monsieur. D'accord. Je ne dis pas que c'est le vote qui est recherché, vide. Monsieur. Ouais, non, non, mais... Il est totalement vide. Vous me permettez de procéder à une fouille corporelle? Bah, allez-y, monsieur. Sur la tête. D'accord. C'est une question de sécurité pour vous et pour moi. De toute façon, beaucoup. Monsieur, je vous ai même proposé tout à l'heure de venir me fouiller, vous n'avez pas voulu. J'ai rien à me reprocher, hein. Eh bien, je veux l'ordinateur portable, comme je vois. Et oui, monsieur, c'est pour offrir à ma petite fille. Ah, vous savez, dans le monde des affaires, il en faut bien des petits ordinateurs qui tiennent Excel. Hein. C'est compliqué, hein, de jouer. Vous pouvez baisser les mains, rien d'illégal, rien de... D'accord. Bah, de toute façon, je vous ai dit, j'ai un arbre fauché. Hein. Moi, vous n'auriez pas été... vous ne seriez pas rendu dans une préfecture, à la mairie ou devant un juge pour changer votre nom? Non, monsieur. Pourquoi ça? Vous êtes sûr, monsieur? Oui, monsieur. Pourquoi ça, monsieur? C'est très étonnant. Ah bon, monsieur? Bon, je vais vous signaler quand même que je vais garder votre nom dans nos services, ok? Oui, monsieur. Pour le coup, on va vous laisser repartir parce que on n'a rien sur vous, hein, donc vous allez pouvoir reprendre votre journée de travail tranquillement. D'accord, monsieur. Allez-y. Bonne journée à vous, monsieur. Bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. Et au sujet du nom, c'est mon frère, hein, j'ai un frère jumeau. On joue sur le même compte, en fait. Ouais. On joue sur le même compte et on change de nom. Vous êtes jumeaux, triplé ou quadruplé? Non, jumeau. Oh, d'accord. On a Ben et moi, papy. Comment? Mon frère, c'est Ben, et moi, c'est papy, Ferdinand. Ah bah, vous avez la même voix, en plus, monsieur. Bah, ouais. J'espère que vous n'avez pas le même comportement que votre frère, hein, papy. Pourquoi ça? Il a fait quoi, monsieur? Je ne vous en dirai pas plus, monsieur. Ça va rester entre lui et la gendarmerie, mais oui, vous devriez lui dire qu'il tienne un petit peu à carreau. Ah, d'accord, monsieur. Je lui dirai. Parce que les visas peuvent être retirés, hein, monsieur. Les visas peuvent être retirés. Bon, et vous pourrez aussi lui dire également que il a toujours une note en cours, vu ce qui s'est passé hier. Il est encore recherché? C'est ça? Il est recherché? Il devrait revenir pour ça, parce qu'il y a, il y a eu un petit souci de magie noire, je pense, non? Ça s'est passé à quelle heure, monsieur? C'est ça, oui, monsieur. C'est moi qui étais là avec lui hier soir. D'accord, donc automatiquement, vu le problème de magie noire, il va falloir vous représenter, enfin votre frère jumeau devra se représenter à la gendarmerie pour finir ce qui était commencé. D'accord, ben, je lui passerai le message par téléphone. D'accord, très bien. Je vous remercie, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. En effet, j'avais reconnu la voix, t'inquiète. La petite voix de mécréant. Mais ouais, il doit, de toute façon, j'en avais parlé au dieu tout à l'heure. Il doit revenir pour se représenter et recontinuer l'action. Parce que c'était 600 000 d'amende, c'est ça, hein? Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un comportement qui mériterait d'être à 10 km du large, tu vois. Mais ça, de toute façon, clairement, moi, je serais admin, j'accepterais pas qu'un con puisse avoir deux noms en tant que civil chacun. En fait, il peut faire ce qu'il veut, alors il peut faire... Bah, demain, ça peut être Mamie quoi. Fernandez, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est sa maison là. Putain, on peut pas perdre qui, dommage. Eh, attends. Zéro. Attends, je prends une capture. Attends, bah justement, on va aller tout près pour faire une petite capture, tu vois. Tranquille. Intéressant en vrai. C'est bon, c'est fait. Ok.
En vrai de vrai, il a pas été malin sur ce coup-là. Ah, j'ai tellement hâte de pouvoir faire une jolie petite perquis, putain. Et du coup, avec deux identités, quand tu te réveilles, t'as toujours ce que t'as sur la première, si tu te réveilles avec la deuxième. Ouais. C'est ça que c'est vraiment malsain, cette histoire de plusieurs identités sur le même compte, c'est un peu nimp. Hein. Parce que alors, le mec, il peut faire ce qu'il veut, on verra, tu vois. C'est clair. Ça me plaît pas trop, ça va falloir que j'aille voir Alphonse ou n'importe quel d'autre, aller lui nous leur poser la question, parce que ça sent un petit peu mauvaise histoire. Ça me plaît pas vraiment, non, ça me gêne pas du tout. Du coup, il a la même maison, il a la même. En fait, ouais, non, ça va pas. Ah non, comme je disais, demain il peut s'appeler Oncle Benz ou une connerie, tu vois. Il peut changer encore d'identité. S'il a refait le con, tu peux pas l'arrêter parce qu'il n'y a pas le même nom, tu vois. Voilà, c'est. Ouais, non, c'est pas. C'est loin d'être net cette histoire. À voir. On va leur en parler. On a sa plaque sur le pour la photo, on est la personne, ouais, ça peut être cool. Et pour la perquis, vous m'attendez, maréchal. Mais du coup, la perquis, c'est, je sais pas, c'est du courant, c'est super compliqué en fait, puisque pour l'instant, il faut que la personne soit présente, il faut que le général soit présent, et le mieux c'est qu'un dieu soit là aussi en fait. C'est sûr que tout se passe dans les règles. Très compliqué. Et du coup, Brigadier, je pense c'est qu'on va garder ça pour nous pour l'instant. Oh oui, double identité. On fera ça tranquillement. Que sinon, si on fait ça, si on en parle au gradé, ils vont prendre l'action pour eux. C'est ça. Ils vont prendre le mérite. Ça va encore m'énerver cette histoire. Donc, on va garder ça pour nous tranquille. Ouais, ça vous dit l'histoire des inspecteurs, tout ça, enquête interne, tout ça. Ça vous dirait de faire partie du. Ah oh oui. J'allais voir. À moins qu'il y ait autre chose, une autre opportunité qui pourrait s'ouvrir. Mais en même temps, ouais, les postes JIGN ou tout ça, ils sont pas encore, ils vont pas être créés pour l'instant. Et d'après ce que j'ai compris, ce serait vraiment pas le JIGN, ce serait vraiment, d'après ce que j'ai pu comprendre et entendre. Maintenant, je peux me tromper ou on peut m'avoir des bêtises. Ça serait plutôt une armée qui serait mise en place. D'accord. Vraiment l'armée, en fait. Donc, qui serait totalement indépendant du tout le reste. Donc, on aurait, les militaires n'auraient d'ordre à recevoir de personne. Certaines actions, bien sûr. Quand même du général, non? Bah, mais en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, non, même pas. Parce que à la base, le général, c'est le noyau, quoi. C'est... Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'en fait, je sais pas si vous étiez là quand il y avait les fédéraux en place. J'en ai vu, oui. Disons qu'ils avaient le lead total, en fait. C'était comme ça, c'était complètement indépendant, ils avaient le lead. Dès qu'ils arrivaient sur zone, c'est eux qui prenaient le lead. Donc, à mon avis, une fois que si la gendarmerie fait appel à l'armée pour faire quelque chose, c'est que automatiquement, c'est eux qui prendraient le lead, quoi, malgré le général de la gendarmerie. Maréchal Greg Paul pour le maréchal McCoy. Ouais, transmettez, ouais. McCoy, à Greg Paul, tu me reçois ? Oui, on vous reçoit, maréchal. On retourne sur la caserne, terminé. Ouais, c'est bien reçu, ouais. Vous étiez pas sur la 42 ? C'est moi qui ai, ouais. Tout à l'heure avec la 112. Avec le midi, ouais. J'entendais plus que la 112. Mais vous mettez pas en canal supplémentaire? Ah si, mais vu que je rentrais chaque fois dans le coffre de la voiture, j'ai appuyé sur le petit numpad 2. C'est ça. Voilà. Pourquoi je l'entendais plus? Là, j'ai dû réactiver en fait, c'est bizarre. Vous allez voir aussi de temps en temps les radios, elles bug. Il va y avoir de temps en temps
un souci comme si vous étiez sur aucune fréquence en fait. Ouais, c'est en attente, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et personne n'a encore compris du pourquoi, du comment, mais. Ouais, donc il y a des fois que si personne ne vous répond, c'est pas forcément parce qu'ils ne sont pas dessus, c'est parce que des fois c'est. Ça bug. C'est ce qu'il y a sûrement eu avec le midi tout à l'heure, parce que je lui ai fait des appels, mais il n'a répondu dans mon cul. Bah, sans doute, à un moment donné, si je pense que c'est bon. Ah, c'est notre petit McCoy. En train de faire des choses pas nettes. Il est bon, lui. Je dis qui ça vient. Je vais le contacter, je le contacte. Salut, vas-y. Pour finir, c'était pas ce véhicule là qu'on avait sur le pont. Hein. Le véhicule qui vient de citer ? Non, non, le véhicule qu'on a contrôlé et qu'on s'est aperçu que c'était Eden. Aillon rouge ? Aillon rouge, c'est ça ? Non, non, le. C'était pas un Zamac bleu sur le pont. Ah, si, 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 c'était le même véhicule. Mais c'était pas lui, c'était pas sa voix là. En fait, je crois qu'il se trompe dans ses personnages en fait. Quand je le vois non-stop. Pas convaincu. C'est même plus qui il est lui-même. Moi j'ai contrôlé ses papiers sur le pont et là je les ai recontrôlés. Ah, c'était bien. Ah, ouais, c'était bien lui, donc. Pardon. Je l'ai aperçu, c'était au traitement de cannabis à droite de la frontière de l'île de l'île Javel. Ouais, en gros, c'est de là où on revient, quoi. Là-bas au juste au mauvais moment. En plus, le RAL, c'est le plus gros véhicule de ville. Plus grosse contenance, donc. C'est une bonne prise. Maréchal, on est là. Maréchal, bien respect. Respect. Bien respect. Maréchal. Très très bien. T'as vu un petit peu les informations sur le... Ouais, j'ai vu, je vous ai mis un point sur la carte là au niveau du traitement. Ok, magnifique. On va faire un tour. On voulait pas qu'on prenne un SUV, ça va plus vite. Ah, mais c'est plus fragile, non? Ah, moi je pilote pas mal, ça va. Ouais, ok, alors ouais. On va aller ranger ce véhicule là, je vais prendre rien. Toi quoi, mon petit White?
Vous avez pris du poids, maréchal. Faut arrêter les donuts, hein. Oh, dites ça. Vous courriez plus vite, il fut un temps. Ah ouais, mais ici on mange bien. La cantine elle est bonne, je trouve. Alors, je vous fais confiance sur la conduite, alors, Maréchal McCray. T'inquiète pas, ouais. Ah, vous avez mis des pneus tuning, Maréchal, sur votre SUV. Ouais, parce que j'aime bien le week-end, en fait, je prends la voiture et je vais faire des petits concours tuning, là. J'ai mis des néons aussi en dessous. Et, ah, dommage qu'il fasse jour. Ah, merde, ouais, on voit rien. Parce que sur le toit, j'ai mis des petites, ouais, des petites lumières aussi. Un vrai aspirateur à grands aisses, ce véhicule. Ah, malheureusement, ça marche pas terrible, quoi. Surtout qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de grands aisses sur l'île. Ah, surtout qu'il n'y en a pas du tout, quoi. J'aurais une petite proposition à vous faire aussi, Maréchal McCurry. Ah, dites-moi. Le même Brigadier White, je compte monter une petite unité d'inspecteur en fait, qui se chargerait de tout ce qui est enquête, autant externe, donc sur civils et insurgés, qu'interne en fait, donc sur les collègues gendarmes. Pour les différents ripoux que j'aurais déjà pu constater sans vraiment avoir le pouvoir de faire grand chose en fait. Je me demandais si ça pouvait vous intéresser. Carrément. Je pensais qu'être 3 ou 4 serait largement suffisant en fait. Ouais, là, pensez, ouais. Tous les deux. Après, faut pas être deux trop. Hein. Ouais, voilà, non, c'est parce ça. Que trop c'est le bordel et il y en a, faut faire attention quoi. Donc c'est ça, c'est pour ça que ça, je vous en parle à tous les deux. Et donc j'en ai déjà parlé à un certain dieu. Ils sont plutôt d'accord. On aurait un grade spécifique en fait. D'accord. On donnerait l'autorisation de pouvoir arrêter même jusqu'au général si on voit que si on a les preuves suffisantes. Ça, d'accord, ça me plaît. Ça me plaît. Vraiment plein pouvoir pour ça quoi. On a l'autorisation de patrouiller en civil aussi pour prendre des informations ou pas? Ça c'est, il faut encore que j'en discute avec eux. Ce serait très bien ça. C'est magnifique. Ah ouais? Non, on serait toujours dans la gendarmerie, donc on procéderait toujours au contrôle et tout ça. Mais disons qu'on aurait une plus grande liberté si on doit aller voir des indics ou autre, qu'on aurait vraiment voiture banalisée et tout. Ouais. D'accord. Donc, il faudrait que je joue encore avec eux pour voir si ça peut se mettre en place assez rapidement. Parce que s'ils me disent c'est dans 2 mois, la galère. Mais... parce que voiture banalisée, en vrai, ça peut aller vite. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Sure. Ouais, genre une petite Mitsu ou une petite BM banalisée. En fait, j'avais pensé. J'ai une absence de cerveau, petit dragon, j'arrive. Ok. Ouais. J'avais même pensé qu'on en aurait, deux, vu que j'avais pensé à vous. Bon matin, tout le monde. Prise de service de Antoine Bruy. Mais trop rire, mais je te jure. Quand il parle, on dirait une messagerie en fait. Allez. Bon, j'arrive. Oui, c'est bien reçu. Oui, c'est bien reçu. Nous arrivons vous chercher dans pas longtemps. Reçu? Après le. Reçu. Ben il est. Ah putain, en plus il fait pas de SMS pour plus de service, tout ça. C'est un lieutenant. Ça me fait mal. Au moins il a dit qu'il était là quoi. Bah donc faut que ça reste entre nous cette histoire. Oui, il peut pas prendre une patrouille héliportée, ce serait cool, non? Ouais, je peux lui demander. Lieutenant Brouille, vous ne seriez pas apte à prendre une petite patrouille héliportée pour un soutien aérien éventuel? Oui, je pourrais. Oui. Ok, bah vous donc. Vous êtes combien sur la chaîne? Là, on est à 3 en unité SUV avec le brigadier White, le maréchal McCoy et moi-même maréchal Cole. Parfait, restez en sortage, je vais vous rejoindre un peu plus loin, mais du coup, je vais faire le tour pour voir si c'est pas quelque chose. Signaler le. Bien sûr. Oui, nous avons un signalement de Ural Bleu Ciel au niveau du pont d'Harcourt. On a un point sur la map qui nous précise l'endroit du traitement de cannabis. Donc, si vous pouviez aller faire un petit tour par là, voir si vous ne voyez rien qui traîne.
Quand vous demandez des, bien reçu, quand vous demandez des informations comme ça aux rebelles, ça serait mieux de demander en regardant la bourse celui qui vaut le plus cher. En fait, on n'a pas demandé, on a eu l'information par SMS en fait. Ah ok, ben c'est parfait alors. Bon lieutenant. Peur. Ah. Ouais, c'est ça que je te disais, donc je voyais bien la Mitsubishi, tu vois, mais je voyais bien la Allianz Sport aussi. Ah, la Allianz Sport, en plus, je suis un pilote en Allianz Sport. Hein. Oh. Oh, c'est pour ça, comme ça, on est sûr que sur du terrestre, ils ne peuvent pas nous larguer, tu vois. Ah, perso, avec la Mitsu, ils ne peuvent pas nous larguer non plus. Hein. Il faut qu'elle soit bien boostée comme... Enfin, normal, tu vois, la vraie Mitsu, quoi, pas la... Faut pas qu'il la rétrograde, quoi. S'ils nous mettent la vraie Mitsu, il n'y a aucun véhicule qui peut nous larguer, hein. Je te l'assure. Okay, parce que ici, moi, je l'ai poussée à fond, elle fait 260, 260, 260, ouais. 260. Après, franchement, ça dépend comment tu la pilotes, parce qu'une Mitsubishi contre une Allianz Sport, celle qu'on a, la Mitsu là, ouais. Franchement, la Allianz Sport a fait pas le poids, parce que la Allianz Sport, elle est super dure à piloter, et si tu la pilotes pas très bien, tu te plantes tout le temps. Et du coup, avec la Mitsu, tu rattrapes direct. Hein. Elle accroche pas mal et qu'elle freine de ouf en plus la Mitsu, elle est ouais, bah ouais. Gérable de ouf, ouais. Ah, il est en train de décoller, il est là. Ouais. Là, les civils avec un hélico plus une unité terrestre, quoi, quand ils vont commencer à baliser un petit peu. Ouais, ils vont arrêter, je pense. T'as vu qui c'est qui est arrivé sur l'île? Ah non. Ah d'accord, je viens de faire un petit tour. Ça va faire du sale. On risque de faire du sale en effet. Maréchal, vous aimez la vitesse, n'oubliez pas qu'on n'est pas en intervention. En fait, j'ai pas le boost là. Hein. Ah non, non, mais bon. 120 là. Difficile de garder la vitesse avec les véhicules quand même. Ouais, c'est vrai. Devrait mettre le régulateur, mais le dérégulateur, en fait, ce qui est chiant, c'est que ça fait un peu de D5. Tu vois, le véhicule, il fait avant-arrière quoi. Ouais, ce que j'avais proposé, mais ils m'ont sorti la même. Ah bah sur Nolocha il y a le régulateur et c'est, tu vois, c'est cool, mais à conduire c'est horrible parce que ton véhicule tu vois faire avant arrière, c'est chiant quoi, tu vois, ça le bloque en fait. Une absence de 5 secondes, je reviens. Il ne semble avoir personne au traitement, mais la porte du hangar est ouverte. Ok, c'est reçu. On va aller faire un petit tour au cas où, au pire on va faire une petite planque. Retour, j'ai entendu à la radio quelque chose, mais c'était trop loin. Ouais, il a été au traitement, il y avait rien, j'y crois, mais la porte est ouverte. Du coup, j'ai proposé de faire une petite camp. Et nous, on va aller jusque Nandai. Faire le tour par l'est, ok. Nous, véhicule terrestre, on va faire un petit tour jusque la pointe est de l'île principale. On va se voir vite fait. Ils rentrent peut-être les véhicules à l'intérieur pour avoir... Tu vois ce que je veux dire? La porte est ouverte et que c'est un véhicule peut-être pas trop. Il y a un véhicule dedans, je crois. Il y a un véhicule dedans. Justement, c'est pour ça que je te le dis, mec. Hélicoptère de soutien, il me semble qu'il y a un véhicule dans le hangar. J'arrive sur place. On y aille à pied. Mets la voiture en travers de la route, là où vous bloquez quand même.
portes sont ouvertes, donc ils font bien rentrer les véhicules à l'intérieur. Tout à l'heure, White, on est arrivé genre 5 minutes trop tôt, quoi. On aurait pu faire un bon. Le mieux, c'est de les choper avec des trucs traités, toi. Parce que les feuilles, c'est bien, mais c'est pas ouf, quoi. Mais les trucs traités, c'est beaucoup plus grave, en fait. Les gens qui prennent la même amende. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que bah, les feuilles, tu vois, y a rien des feuilles. Et une fois que c'est traité, c'est vraiment marijuana, tu vois. Les feuilles, ils peuvent s'en servir pour faire. De la médecine, tu vois. Est-ce qu'on me reçoit toujours? Affirmatif. Vous m'apercevez dans le 42, les gars? Lieutenant Brouille, vous avez entendu pas? Oui. C'est qui t'en a dit? J'ai reçu un petit message mental. Et... Ouais, j'ai eu le même, lieutenant. Il aurait pu nous sortir la Mitsubishi, là, lui, lieutenant. Bon, on aurait été sûr de pas casser, quoi. C'est vrai qu'elle est sacrément solide, hein, la Mitsu, c'est un truc de ouf. Hein. C'est solide, et le truc, c'est qu'elle se conduit tellement. Elle se conduit bien, parce que le SUV, il se retourne pour un rien, tu vois. Donc en poursuite, c'est galère un peu. Tout pour ça, en fait. Il est fermé, le restaurant ? Du coup, le gérant du restaurant hier, enfin tout à l'heure, il m'a expliqué qu'il avait eu des soucis avec les gendarmes. Hein? Ouais, parce qu'en fait, les gendarmes. Son restaurant pour faire des arrestations. Pourtant c'est une propriété privée. Du coup j'ai été voir les dieux et je leur ai expliqué et ils m'ont fait ouais non ça c'est pas admissible. C'est vraiment que ça va foutre quoi. Ah ouais mais tu vois c'est ce qu'ils sont tellement excusez-moi ils sont tellement mauvais qu'ils sont obligés de se servir de ça pour pouvoir faire des arrestations correctes quoi. Qu'ils arrivaient, ils braquaient tout le monde en disant ah ouais papier machin. Et du coup, il n'y avait plus personne au resto, c'est pour ça que pendant un temps, ça restait fermé pendant... Ah ouais, c'est relou pour lui, tu vois. Il essaie de faire un truc cool et bah ça lui nique tout, quoi. Parce que les gens, du coup, les rebelles, tu vois, ils veulent plus y aller, tu vois, normal. Oui, quoi. Alors que clairement, c'est avec les rebelles qui fait son chiffre d'affaires. Ouais, les rebelles, et tu vois, ce qui est cool, c'est que les rebelles, ils vont manger là-bas, tu vois. Donc ils sont présents, ils sont sur place, tu vois, t'as des civils qui arrivent et ça permet de créer le contact, tu vois. Même les rebelles, parce qu'à l'époque aussi il y avait des grosses familles rebelles, il y avait des guerres, tu vois. Bah même là c'était la paix totale, tu vois, tout le monde parlait tranquille. Ah ouais, c'est un lieu de paix quoi, enfin tu viens manger. Bon, moi je vais pas tarder à prendre ma fin de service parce qu'il faut que je prenne la douche et j'ai un rendez-vous sur le continent donc. Ah yes. J'hésite à me transférer un peu d'argent de gendarme en civil. Enfin, non, tu peux pas. On n'a pas le droit. Non, non. Ah, c'est relou parce que là j'ai 1 million, tu vois. Tu peux pas. C'est pas ça parce que tu risques de te faire virer de la gendarmerie instant et peut-être même prendre un joli. Ah ouais un joli exil, ouais. La gendarmerie doit rester dans la gendarmerie. Je peux t'assurer que les dieux sont dans leur log non-stop.
Bah non alors. Ah non non non. Ah, comment il consomme ce véhicule? Ah, tu m'étonnes. Faire 5-10 minutes. Les mecs, je sais même pas qui c'est, quoi. Ouais. J'aime pas ces ponts-là. C'est repris comme, si j'ai bien compris, c'est fait, c'est mappé comme des chemins de terre, en fait. Ah ouais? Ah, donc tu perds la vitesse dessus. User et tu vises plus. C'est de la merde. Continue la route et puis tu prendras la prochaine à gauche plutôt. Ouais. Alors, mais je fais demi-tour donc, voilà, fais demi-tour. Fais demi-tour. Demi-tour. Là, tu roules. La prochaine à gauche. Juste à droite. User left your channel. Donc le port industriel est connu pour User joined your channel. Pic. La gendarmerie, mais on n'a pas les points, mais ça va, il y a que d'autres. User joined your channel. Une prise ici. Gendarme. Le roi de la gendarmerie, tu vois. Allez, Non, tu vois. C'est pour ça que moi, le SUV, je suis loin d'être fan. J'ai pris de face en fait, c'est pour ça, dans ouais. Deux côtés, ça passe quoi. Ah, tu dois prendre deux côtés. Ouais, lieutenant Amouroy, pour mes unités, ce que je ferais savoir ce qui se passe. Bah disons qu'on fait une petite patrouille, on est sur le port industriel et bon il n'y a rien à signaler quoi et on va remonter par les mines. Parfait. Il est bourré ou quoi? Il est chaud, comment il parle? Ah bah, il est plutôt comme ça lui hein. Ah ouais. Oh j'ai psychoté hein. Quoi? Bah t'as l'impression qu'il est défoncé hein. Ouais t'as l'impression qu'il est carrément défoncé. Ouais mais ce serait pas étonnant, l'autre fois sur une réunion il était en. Il avait laissé son micro et sa mère faisait le ménage dans sa chambre et il engueulait sa mère, c'était n'importe quoi. Non. C'était n'importe quoi. Du coup il y avait des mecs qui enregistraient tout ça dans le dans la dans la réunion. Le petit Québécois halluciné ce garçon là. Tu reviens à quelle heure, Cole? Ah, un camion à gauche. Ural, ah ouais, à gauche, vas-y. Oh putain. Bah là, du coup, je pars pas tout de suite. Putain, trace. Faut que t'ailles le chercher. Hélicoptère en soutien. Ouais. Soutien sur notre position, donc direction port industriel. Ural bleu ciel, à grande vitesse dans les chemins de terre. Je me dirige vers vous. On est juste derrière lui. Oh!
Mais sérieux, je sais pas si Geek a indiqué la position à suivre, je sais pas trop quoi, mais merci. Oui, 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 oui. On procède à l'arrestation. Non, justement, vous m'avez fait peur, je voulais m'écarter, je pensais que vous voulez passer, moi. J'ai pas fait exprès, ça m'a choqué aussi, du coup. Ouais, putain, j'ai trop peur. On va procéder à un contrôle du véhicule, monsieur, des papiers d'identité. Oui, oui, pas de soucis, pas de soucis. Par contre, je suis obligé d'enlever les mains de ma tête, là, pour le contrôle. Pour vous montrer mes papiers. Et il nous a percuté, on a plus beaucoup de... On est très blessé, mais on a réussi à l'interpeller. Cher monsieur, comme vous êtes... vous avez gardé les mains sur la tête. Je vais vous prendre... vous allez poser... Vous allez enlever les mains de la tête, vous allez poser votre radio au sol. Tout ouais, d'accord, je pose ma radio. Moyen de géolocalisation, tout le reste. Reçu, je pose. Vous comprendrez que vu votre, votre armement et votre dégaine, vous êtes... Vous pouvez poser votre arme aussi. Vous pouvez y aller directement. Savoir où vous avez trouvé votre G36, monsieur? Je l'ai trouvé par terre, monsieur. Ah, ça, on me la fait pas à moi. Reste mais pas devant, ma gueule. Le véhicule est ouvert, je peux vérifier à l'intérieur? Allez-y, allez-y, vérifiez, y'a rien de toute façon. Je pose. Je pose quoi dans ton AVG? Radio, moyen de localisation, GPS, arme. Et voilà, ça s'en dit très bien. Ensuite, on va procéder. Maintenant, vous allez faire 10 pas en arrière. Si vous faites 10 pas en arrière, voilà, vous remettez vos mains sur la tête. Voilà, bien. Rectric, est-ce que tu veux regarder un petit peu là? Si. Bon, monsieur, je vais procéder à la fouille de votre. Une fouille corporelle. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Allez-y, allez-y, monsieur. Je vais contrôler. Trouver vos papiers. J'ai rien d'illégal, hein, je. Oh. Alors, une hache de bouteille d'eau de lapin grillé. Pas d'arme, vous appelez. Salaspiano Gennaro, c'est bien ça? Oh. D'accord, ok. Bon, rien d'illégal, c'est vite. User left vous avez quand même un joli ça qui n'est pas tout à fait légal, monsieur. Faut bien que je fasse pour ma famille, monsieur. Écoutez, ça c'est pas vraiment notre problème, il y a moyen de le faire. De façon légale. On va dire que pour ouvrir une famille, c'est pas ça. Je... Est-ce que quelqu'un... Vous le voyez, je suis pas dangereux, j'ai rien d'illégal, je... Bon, le véhicule, il vous appartient? Non, monsieur. Ah, et à qui appartient-il? Je ne sais pas, un inconnu me l'a prêté, gentiment. Inconnu vous a prêté un véhicule de ce type, gentiment? Vous êtes sérieux? Affirmatif, monsieur. Là, vous avez User vraiment, left your channel. Vérifiez si vous voulez, j'ai vous verrez bien qu'il pas moi. La plaque. Oui. Et c'est, vous avez ça demandé est, ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va pas rester ici plus longtemps. On va vous mettre dans le véhicule, vous êtes d'accord? Je vais vous passer les menottes. User joined your channel. Continuez à discuter ailleurs ici. Votre arme a été saisie, monsieur. Transmettez, monsieur. Moi? Le monsieur qui a appelé la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pour quelle raison, monsieur? On peut s'arranger quand même, vous allez pas. Sur moi. On procède juste à un contrôle d'identité, monsieur, vous inquiétez pas. Maréchal ou brigadier, j'ai un petit souci pour mettre la personne dans le véhicule. Attendez, bougez. Attendez. Mais si on peut pas s'arranger, je peux repartir sans arme au moins. Ok, magnifique. C'est un bruit pour les trois égyptiens en bas. Véhicule, vous prenez le. Ok, ouais. Magnifique, brigadier. On répare le véhicule et puis. Alors, lieutenant, on récupère le camion en question. Le brigadier se met au volant. On répare notre véhicule et on se met en route. C'est quoi qu'il y a dans le camion? Et on a reçu des menaces à la radio insurgée, donc essayez d'ouvrir l'œil, JTR. Parfait. La destination, c'est quoi, les gars? Les tribunaux. Soit de l'IFU ou Harcourt, c'est à vous de décider.
qui est-ce qui lead les gars pour me donner la destination s'il vous plaît? Nifu, c'est à côté de l'aéroport, tu passes devant plusieurs fois par jour même. Harcourt, c'est le pont à l'est. Oui, je connais les destinations, mais me dire laquelle des deux? Suivez en avant avec Maréchal des Logicals. Ils vont pas me répondre, hein. Bah il va pas me répondre le... Ouais. Hélicoptère, tu peux rester en stand-by bien au-dessus du camion, nous on doit avancer, là on a le sud. Est-ce que... Non, vous avez toujours pas fouillé le camion. Ah, y'a rien dedans. Fais gaffe, Ural, t'as un véhicule derrière toi qui arrive à haute vitesse. Je répète, un véhicule qui arrive à haute vitesse derrière l'Ural. Est-ce que les SUV pourraient rapatrier sur oui, l'Ural? On fait demi-tour, on fait demi-tour, on revient sur en renfort. Ça me klaxonne, hein. Sur le véhicule par contre. Alors première sommation légère faite, mais il faudra faire une sommation bien correcte. Pour tourne à gauche, Hiral. Tourne à gauche. Le véhicule il s'est planté. Ah, ok, bien reçu. Des coups de feu, des coups de feu. User left your channel. Alors, SUV, on vient de dépasser l'hôpital de Tanuka. Ça vous va, Lural? Très bien, je rentre dans Tanuka.
Ural, rien à signaler, vous n'êtes plus en chasse? Non, non, c'est bon, affirmatif, je suis dans le centre-ville de Tanuka. Terminé. Bien reçu. Ouais, perdez pas de temps, tracé. User left your channel. C'est pris un petit crash en réparateur, on démarre. Bon, SUV, on a redémarré. User was moved to your channel. Monsieur, il est où mon collègue? User joined your channel. Pas le savoir, monsieur. Je vais devoir décrocher et aller remplir l'alouette de plein d'essence. Vous l'avez laissé repartir, on est d'accord? Ok, très bien reçu. Donc nous sommes arrivés au tribunal, on attend l'URAN. J'ai laissé la barrière ouverte. Leur femme m'a dit qu'elle sera rentrée. L'URAN est en approche. 420 mètres, terminé. Jackie, est-ce que tu m'entends? Affirmatif. On est au tribunal de l'IFU, on a eu des tirs de sommation, si tu veux venir en renfort, dépêche-toi et fais... Bah... Ok, je rejoins la suite. Ural vient d'arriver au tribunal. Je peux avoir un gendarme s'il vous plaît avec moi? Quand je vais arriver sur toi, un hélico. Okay. Peur monsieur, je vais rien vous faire. Ah non, y'a pas de soucis, c'est juste que... Proché à vous là. Vous êtes... Ah merde, c'est pas là, putain. Porte, il est où en fait? Tout ouvert. Arrêtez s'il te plaît. Voilà. Merci. Gardez votre arme en main, brigadier. Brigadier, ça vous dirait de vous mettre en poste devant l'entrée au cas où? Affirmatif, j'y vais. Achal, je laisse gérer la situation, je m'occupe du brigadier dehors. Jackie, j'arrive pour te surveiller un hélico. Ok. Alors, je pense que vous l'avez pas mis dans la bonne pièce, les gars, il y a deux portes d'accès pour accéder dans le bureau. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui regarde la porte d'en avant. C'est pas la petite tour là. Venu maintenant, Jackie Lafribio, je prends le chemin pour Tanuka. Ok, je vais arriver au-dessus de toi. Bon, messieurs, faites attention, on a eu des menaces encore sur la 112 hein, de son ami à ce qui paraît. Mais ils disent ne pas le connaître. Ok, bien reçu. J'arrive en voiture, moi, donc vous me ferez un briefing avant que j'arrive de la situation pour que je passe au bon endroit. Thank you.
aller s'occuper de ça pour voir ce qui se passe. Jackie, tu iras avec moi. Vous êtes trois. Négatif. Quelqu'un, enfin, il y a le brigadier ou le. Stop radio, véhicule, pick-up rouge en approche. Ah, ok. Sachez que le message qu'on vient de recevoir, c'est la personne à qui appartient le camion bleu qu'on a arrêté. Hein. C'est exactement ce que je voulais dire, oui. Ok, bien reçu. Du coup, j'abandonne Tanuka, je me redirige vers le tribunal. Attention, messieurs, à ne pas vous faire prendre en otage en échange de l'individu. Bien reçu. Comment vous voulez que je procède, du coup? Venez nous rejoindre, on a besoin de renfort. Haute vitesse. Jacquet, tu voles plus vite que tu peux sans te tuer. Hein. Bien reçu, mon lieutenant. Est-ce que l'espace devant le tribunal est dégagé ou il y a du monde? Gendarmerie pour les pompiers. Lève tes mains, bouge pas, lève tes mains, fais pas le fou, lève tes mains, fais pas le fou. Allez, il est où? Lève tes mains en l'air, dépêche-toi. Tu fais une seule fois que tu parles dans la radio, t'es mort, reçu? On a un problème là, les gars, non? Pas là, s'il te plaît. Baisse les mains, sois intelligent un petit peu. Allez, bouge-toi, démenote-moi et donne-moi ton arme là, allez, Philippe. Prends mes chargeurs et radio au sol. J'entends une seule fois un mot, mort. Les gars, on a une prise d'otage dans le tribunal. Je répète. Prise d'otage dans le tribunal. Ok, brigadier Lafripouille, on approche du tribunal. Quels sont les... Cerné, je l'ai... Eh, hey, on a qu'à planter sur ton gars, vas-y, tente quelque chose. Cerné, gros, je suis là sur la fenêtre, regarde. Et alors mets tes mains en l'air. Suite, rejoignez-moi, les gars, rejoignez-moi. Mets tes mains en l'air. On approche le tribunal. On est deux, tu vas faire quoi? Rigole pas avec moi, Autorisation de faire feu. Ton collègue en otage. C'est sommation, oula. User left your channel. Il joue au con, qu'est-ce qu'il fait? Toi? Faut que je me lève, ok, excuse-moi. Vers moi, il met les mains sur la tête et tu dis à tes collègues qu'ils arrêtent de faire les cons, sinon je te bute. Pourquoi il a joué au con? T'avais un otage, était deux. Pourquoi il a joué au con? Je comprends pas ça. On a perdu une âme. Excusez-moi, je rectifie, j'ai toujours ma radio. Est-ce que je peux leur dire de se calmer, de poser les armes? Qui se retire immédiatement d'ici. Et déjà assez de conneries comme ça. Et qui on va partir tous les deux, je vais te laisser repartir. Donc dis-leur. Message de la part de l'insurgé. Putain. Ah, bien joué, tu l'as tasé, gros, bien joué. Je l'ai eu. Tu l'as tasé, mais du coup il va se relever, mais tu l'as tasé, c'est bien. Je suis mort aussi, du coup. Putain, je voulais pas me servir de la létale, en fait, tu vois. Si, il avait tiré. Je voulais avoir ma promotion vendredi. Putain, merde, chier. Bah ouais, non. Là, il a ouvert le feu. Enfin, ouvert le feu, tu tires instant, hein. Tu cherches pas à comprendre. En plus, ils sont plus armés que nous. Enfin, ils sont plus costauds que nous, tu vois. Bon, je vais me déstresser en faisant une clope, les gars, j'arrive. Ah, ça m'a foutu les nerfs, putain. C'est son pote qui a tiré en premier, tu vois, il a ouvert le feu. J'ai ouvert le feu sur Alphonse, je l'ai tué. Direct, il s'est switch. Enfin, pas compris. Et il est rentré par où? Par derrière. User was moved out of your channel. Le mec, il était déjà là. Ouais, il y a une porte derrière. Le mec, il était déjà là avant qu'on arrive. Ouais, mais je l'ai eu, moi je suis passé par. En fait, à l'extérieur, t'as un balcon. Et en fait, moi j'ai voulu passer par le toit, mais. C'est une bonne idée, le toit. Bon, j'arrive, j'ai fait une clope. Et ouais, il était à la fenêtre et j'ai dit de mettre ses mains en l'air et tout.
Mon pote, il a ouvert le feu, du coup, bah, j'ai asthmat, hein. Bon, du coup, les mecs, on est quatre. On est quatre, il dit, bah non, vous êtes cernés, les gars, vous êtes deux, arrêtez. Pas de GoPro, du coup. Pour toi? Moi, j'ai pas de GoPro, hein. Et moi, j'ai pas de visu, donc je sais pas qui a ouvert le feu au premier, je peux pas, je peux rien dire. Ah bah c'est... Moi, je peux te dire que c'est l'autre, hein. Il a tiré une balle, ça fait paf, ça a niqué la vitre, et du coup, j'ai asthmat. D'ailleurs, il m'a touché. En plus, moi, j'ai mon rendez-vous, là, c'est... Je m'en doutais. Moi, j'étais en train de lui poser des questions, tu vois, Par contre, tu vois, il y a un truc que j'aimerais bien savoir. C'est vrai qu'on lui a retiré sa radio, son GPS. Comment il a pu nous retrouver, tu vois? Ouais. J'aimerais bien savoir. C'est vrai qu'on n'a pas donné d'infos, sauf dans le 42, quand il avait déjà plus de radio. Ah oui, on a rien donné. On aurait dû l'emmener au Comico, parce que le Comico, on sait qu'on peut le gérer, tu vois. C'est plus facile à défendre le Comico. Ici, c'est tellement petit que c'est chaud, tu vois. Il y a des cailloux. Bah non, il se barre. Ah, c'était le rebelle qui l'a fait se barrer, du coup. Le fumier, ouais. C'est sûrement relevé, tu vois. Je pense qu'ils vont prendre toutes nos armes et il n'y avait pas un véhicule d'ouvert. Non, moi, j'allais fermer mon véhicule. Leur camion vont se barrer ou alors ils vont prendre en otage. Tire, ça tire, j'entends que ça tire. Ah bah il y en avait encore en fait. Ah oui, il y a Brouille qui est là encore. Et Fifouille. Et puis il y a la Fifouille aussi. Bah et alors on a encore deux collègues là en route. Encore deux collègues, ouais. Donc ça tire, ouais. J'espère qu'ils sont ensemble. J'y crois pas du tout, mec. Laisse tomber, c'était le bordel quand t'es décédé, McCoy. Ah ouais, ils ont dit quoi dans la radio? Dis quoi quand je suis mort dans la radio, parce que du coup je n'entendais plus la radio. Mais ils savaient pas comment se placer. Alors, c'est compliqué. Le seul chose qu'ils pourraient faire, c'est se mettre à l'extérieur, mettre une herse et attendre qu'ils sortent avec le camion, tu vois. C'est ça le seul truc qu'ils peuvent faire en fait. Et il faut utiliser flashbang aussi. Mais j'en avais une, j'aurais dû la lancer en fait, tu vois. Mais Putain, j'ai réveillé ma petite en gueulant. Ah ouais, du coup il est arrivé derrière, tu vois, bon bah. Fermer ma bouche, quoi. C'est bien quand j'ai dit tout le monde sur ma position. Ouais, t'as bien, enfin, t'es bien intervenu. T'as vérifié un peu partout. Je t'ai vu en bas. Tu étais en bas, toi, au début. Ouais, j'étais en bas. J'ai réfléchi. J'ai mis trop de temps en fait à réfléchir. À savoir si je passais par le balcon, si je passais par l'entrée principale. Et j'ai essayé le toit. Et je pensais en fait que t'avais encore une autre échelle, tu vois. Je pensais qu'il y avait une échelle qui donnait dans le bâtiment. Le taser c'est bien, mais là il avait ouvert le feu. Et du coup, bah, voilà. Mais non, moi je le voulais vivant. Et ils sont en train de se switch. Et les pompiers. Ils font quoi les pompiers? Mais à mon avis, c'est les collègues qui les ont fait tenir à l'écart tant que ça se tirait, tu vois. Je sais pas s'ils sont décédés ou pas, quoi. Je sais pas qui est mort, parce que moi, l'autre il est plus dans le task force, donc il était switch par Alphonse. Donc si Alphonse a remarqué que c'est lui qui avait tiré en premier, il va se prendre cher. C'est son pote, hein. C'est celui qu'on a arrêté, hein, celui-là, qu'Alphonse. Ouais. Mais c'est un gendarme Ouais. Mais moi, la vie de ma mère, c'est lui qui a tiré en premier. J'aurais pas ouvert le feu, je suis pas con, tu vois, j'ai déjà pris un ban et tout. Un gogol. Moi j'ai juste senti les tirs de suppression parce que tu vois j'étais en train d'essayer de regarder un petit peu à gauche à droite et quand ça a tiré j'ai eu les tirs de suppression et j'ai rien vu, quoi. Parce qu'il y avait un mec à ta gauche. Ouais. Il y avait le mec à ta gauche et il y avait Alphonse qui te visait en face. C'est ça. Moi je visais Alphonse, tu vois, j'avais mon arme, elle était pointée sur sa tête et l'autre il a tiré une balle et ça a pété la vitre et là j'ai asthmat, tu vois. J'ai asthmat Alphonse. Mais je me demande comment il est rentré Alphonse, quoi. Derrière. À mon avis, il est arrivé avant nous. Je sais pas comment il a fait, mais à mon avis... Je sais pas, parce qu'il nous a demandé où est-ce qu'on le transférait, quoi, tu vois. Les gars, personne n'était au courant. Avant qu'on sache qu'Alphonse était là, moi, j'étais sur le petit bâtiment vert, tu vois.
Et à un moment, je regarde la grille et la grille était ouverte. Et par contre, faut la fermer parce que la grille, il y a que les gendarmes qui peuvent l'ouvrir, tu vois. Et ça se tombe, il est juste rentré par la grille en fait et tu l'as pas vu de ta tour. Mon garçon, quand le Ural est rentré, j'ai fermé la grille. Ouais, je confirme. Ouverte après. Non, j'ai fermé la grille. Alors c'est qu'il y a un autre qui est passé, mais moi j'avais bien fermé après l'Ural. Parce que je te jure que j'étais en train de redescendre pour aller fermer la grille. Là, bah, dans ces cas-là, c'est Alphonse qui a ouvert alors. Comment il peut ouvrir normalement? Parce que c'est Cole, c'est sûr, il a fermé. Ah ouais, moi je l'ai fermé. Ouais, je sais bien, je l'ai vu fermer et après elle était ouverte. Donc c'est bizarre. Attends. Mais je sais pas, tu crois qu'il faut absolument être gendarme pour l'ouvrir? Bah, il me semble, ouais. T'as vu le pick-up rouge et c'était peut-être pas lui qui est passé, qui a. Je sais pas. Non, je sais pas. Il y a quelqu'un sur la position. Tu sais comment j'ai su que qu'il était sur toi? Il prenait en otage. Il parlait en fort et du coup je l'ai entendu de mon bâtiment. Ouais, bah pareil, du coup je me suis demandé si c'est à moi qu'on parlait ou si c'était à Cole. Et moi aussi, je regardais autour de moi, je fais putain, il est où? Je fais putain, j'en suis sur White, il est en train de se faire prendre en otage. Je contourne et après je fais ah non. Je crois qu'on a des collègues sur nous là, non? Ouais, je pense que j'ai vu. Je sais pas si c'est des collègues, moi je vois rien, j'ai fait tout noir. Moi c'est noir et rouge. Je suis en train de faire une hémorragie, je crois. Elle est partie dans le gérant stuff. Non, c'est eux qui ont fait une connerie, nous on a rien fait là, on a juste répliqué. Je pense que si on aurait fait une connerie, on aurait été. On serait pas dans le channel là. Non, ou alors ils sont en train de s'arranger avec les autres. Hein. Ouais, je sais pas. Du coup, ouais. Moi je peux pas. J'arrive, je vais remettre la tutute, les gars. Ok, à toute, ciao. Ils peuvent le voir ceux qui tirent en premier? Bah écoute, Alphonse était là, donc s'il se la joue vraiment correct, il a vu que c'était lui, c'était vraiment lui, tu vois. Ah ouais, c'est moi, c'est son pote qui a tiré, hein. J'aurais pas tiré comme un gogol, hein. Surtout que je le visais et tout. Ouais, et moi, tu vois, il me disait, vas-y, va plus vite. Parce que tu vois, je voulais garder absolument mon arme, tu vois. Parce que je savais bien que vous alliez intervenir, et je voulais être là pour, tu vois, sortir mon arme au même moment, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, c'était pas assez parce qu'il voulait me buter, donc j'étais obligé de la lâcher, quoi. Ça m'a cassé. J'ai pas lâché ma radio, tu vois. Il y a un truc que j'aurais bien aimé savoir, c'est que est-ce que tu vois quand il prenait en otage là, moi je suis arrivé avec mon arme létale, est-ce que j'avais le droit de prendre mon taser et de taser les deux, tac. Ah mais c'est ça le truc, tu vois, c'est toujours les questions. Est-ce qu'on a le droit? Parce que techniquement j'aurais pu le faire, tu vois, ils voyaient pas, ils savaient pas où j'étais, ils croyaient que c'était toi qui parlais au début en fait, quand je leur disais que j'étais cerné et tout. Et en fait c'est moi, j'étais à la fenêtre et ils me voyaient pas. Et c'est pour ça que j'ai gueulé, ouais je suis à la fenêtre, tu me vois pas. Et t'es passé par le balcon toi McCoy? Ouais, par le balcon dehors, j'ai monté l'escalier dehors, en fait j'ai marché doucement jusqu'à temps d'arriver. Et dès que j'étais devant la fenêtre, dès que je les avais en visu en ligne de mire, je fais ouais ok, vous mettez les mains sur la tête, vous êtes cerné. Et son pote a tiré une balle et du coup je les ai asmat. Tué Alphonse. L'autre il m'a tué, mais ah, les secours, ils arrivent. En fait j'avais 40 HP avec l'accident de tout à l'heure. Bah pareil. Et pour ça je pense que je suis mort, parce que sinon l'autre je l'avais aussi je pense. Par contre au départ ils ont bien joué parce que moi ils m'ont pas buté, tu vois. Je me suis couché et puis il m'a dit de me relever et puis c'est White qui est arrivé. Il a tasse, mais l'autre il a asthmate dans tous les sens mon gars. J'ai vu son mec, il a refoulé mais partout quoi. Bah ouais, moi je le voulais vivant, je voulais ma prime vendredi, putain. Mais en vrai on a fait un truc propre hein. Ouais c'était propre ce qu'on a fait. On a fait un truc vraiment propre. Hein. C'est ouais. Juste dommage qu'on ne l'ait pas vu rentrer. Je savais pas qu'il y avait une porte par derrière du machin. Moi. Si, t'as une porte au rez-de-chaussée. Oui, t'as une porte au rez-de-chaussée, mais pour rentrer dans l'enceinte du tribunal, t'as pas de porte. Ah non, tu peux passer que par la grille. Comment il a pu rentrer alors? Bah, la grille, tu dis qu'elle est. Et c'est pour ça que la grille est ouverte. Voilà, bah oui. Ah oui, moi ouais. Je pensais que tu parlais de la porte. Ah, ça y est, les médics sont. Je sais pas pourquoi je m'en suis douté. Je fais, c'est chelou, la grille, elle est ouverte, on l'avait fermée. J'en suis sûr qu'il y a quelqu'un, tu vois. En fait, je pensais que c'était quelqu'un de nous qui l'avait ouvert pour que les véhicules de gendarmes qui arrivaient puissent rentrer directement. Mais je fais, mais c'est complètement con. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas logique, quoi. Alors, si tu vois que c'est moi ou White, tu dois bien savoir qu'automatiquement on aura fermé la grille. C'est automatique. Donc, tu aurais dû dire carrément pourquoi la grille est ouverte. Et là, on aurait été. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais en train d'y aller et là, ça a gueulé et je fais, ok. Et c'est pour ça que c'est ouvert. Bon, on joue RP les gars, on se fait transférer à l'hôpital. Oh putain, moi j'ai mon rendez-vous, putain. Merde, c'est livré, attendez, j'arrive.
Je vais même pas savoir prendre une douche avant d'y aller, quoi. Quelle heure ton rendez-vous? 15h30 et c'est à 45 minutes. Ouh. Je peux pas le louper. Si je loupe ce rendez-vous là, c'est juste mort, quoi. Ah, vous m'entendez? Bah, avec un peu de mal, monsieur. Essayez de réanimer le maréchal. Attendez, je vous fais une piqûre de morphine pour la douleur et je vais m'occuper de votre collègue. Ça bourdonne un peu en fait. Ça va aller. Bon, brigadier, c'est brigadier chef La Fripouille, vous allez bien? Vous avez bien, non, c'est un peu con de poser cette question, mais. Ça pourrait aller un peu mieux. Vous rassurez, vous n'êtes pas blessé pour rien, les deux insurgés sont morts. Vous étiez bien avec deux insurgés? Tenez bon. Il n'y en avait que deux, oui. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider, il est en train de perdre du sang. Est-ce que vous pouvez faire une compresse au niveau de sa jambe, là, s'il vous plaît? Attendez, je range mon arme. Ah, j'ai un bon pouls, multi fracture, mais normalement, sinon, ça devrait aller. Ok, allez-y, c'est parti. Allez, tenez bon. Voilà, tenez la jambe, là. Bon, ça va pas toucher l'artère. C'est bon. Allez, monsieur, tenez bon. Il est bon, le médic. Ok. Vous devrez vous sentir mieux, là. Bordel de merde. Restez couché. Je vous fais une petite injection de mort pour la douleur. Moi, je vais devoir tous les deux vous emmener à l'hôpital pour une opération pour recoudre et pour. Maréchal, McCoy est dans les parages ou pas? Il est là, il est sur le balcon normalement. Balcon. Ok, attendez. Je vais venir avec vous, sergent. Attendez, laissez-moi passer en premier. Hop, allez-y, je vous laisse faire. Il est là. Ok, je le vois. Oh là là. Ah, il a pris un seul coup. Ok, aidez-moi à le stabiliser là sur le T. On va le mettre sur le côté. Voilà. Parfait. Ok, on va regarder un peu tout ça. Alors. Vite, parce que j'ai pas envie de rester à côté. Oui, il a une méchante balle. Bon, ça va, j'ai un bon pouls. Juste quelques fractures, mais la balle n'a pas l'air d'avoir touché d'artère ni d'organe. Ça devrait bien se passer normalement. Et tenez, user joined your channel. Et je sens revenir. Ah, je commence à avoir une trace de pouls, respiration. Ah, c'est bon. Vous m'entendez? Ah ouais, je vous entends, monsieur. Restez couché. Ouais. Je vais vous attaquer de la morphine pour la douleur. Putain, j'ai pris une balle dans l'épaule, je crois. Je te fais une fracture aussi à la jambe dans le balcon et quelque chose de la balle. Ah putain. Va falloir qu'on les transporte tous les trois dans le VSAV et je vais les emmener à l'hôpital. Ok, bah si vous voulez aller ouvrir la porte, on va le transporter. Oh, je sens plus mes jambes. Ouais, pas de soucis, ouais. Oh, bah, pas de soucis, pas de soucis, d'habitude aussi. Attention, on va souffler. 1, 2, 3. Et on va aller prendre les escaliers, on va les lancer. Okay. Allez-y, tout doucement, on fait peste brusque, attention au... Putain, ça lance un peu là. Par contre, vous êtes sûr, je voudrais aussi m'occuper de l'insurgé si c'est possible. Il a demandé ou pas? J'aimerais bien quand même, c'est City comme une autre, vous voyez, moi je ne fais pas de distinction entre les... Non, il a demandé ou pas? Qu'est-ce que vous entendez? Je suis dans le... Enfin, moi je vais faire tout mon action pour le sauver, si vous voyez ce que je veux dire. non. Bah si, il faut, et puis il continuer, quoi, non? Ouais, ce serait bien qu'il aille directement casse-prison. Sur la 42, vous m'entendez ici, maréchal McCall. Cole plutôt. Vous m'entendez ou pas? Affirmatif, on vous reçoit sur la. Ce serait franchement bien qu'on fasse quelque chose pour l'insurgé pour qu'il purge une peine de prison, je pense. Non, mais. Okay, allez, c'est parti. Bon, vous vous tenez prêts, messieurs? Ouais, tenez-le en joue, hein, messieurs. User joined your channel. Attention, j'attaque, je me mets en. Genou, quoi. Attends, voyons voir ce qu'il a. Il a pris son arme ou pas? Jackie, avec ton arme. Vous lui prendre son arme ou pas, maréchal? Bien sûr, allez-y. Jackie, avec ton taz. Ah, j'ai multiples fractures, mais j'ai un peu pouvoir le sortir de la tension. J'attaque le massage cardiaque. Allez, monsieur, tenez bon. Avec un flingue?
Ouais, je pense, je ferai pas de tir. J'ai saisi son flingue, hein. Faudra bien me faire penser à le mettre au commissariat. Tiens, on joue quand il se réveille. Attention, ok, là je le sens, là il vient, c'est bon. Allez, monsieur, vous m'entendez, monsieur? Ah, baissez votre arme, monsieur, baissez votre arme. Alors. Un petit coup de morphine, Doc? Ne bougez pas. Ton arme! Fais pas le fou, toi! On a joué au malin! J'ai plus de morphine, monsieur, je suis désolé, j'ai déjà utilisé la toute. Pas grave, il va souffrir, ça va lui faire du bien. Parce que je vais te casser tes dents, là, reste tranquille tout de suite. Mais pour l'instant, c'est toi qui as cassé tes dents, donc tu restes tranquille. Allez. Tranquille! S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Vous vous foutez de ma gueule? Vous venez tous dans le VSAV. Bon, on va pas le louper, hein. Attendez, si vous voulez, restez calme, je vais porter sur appuyez-vous sur mon épaule, maréchal, je vais tout descendre, et puis après on descendra votre collègue le brigadier. Ça va aller, moi, ça va aller. Venez, je monsieur. Pense que ça a été. Moi. Non, tu restes là, toi. Reste là, peut-être le menotter quand même, non, les gars? Le brigadier chef. Mettez-le derrière la tête. Monsieur, on va devoir vous saisir votre arme quand même parce qu'on se promène pas avec ça à l'hôpital. T'as c'est n'importe quoi, sérieux. Venez de enlever votre arme, la déposer de ça, on va devoir la saisir. Est-ce que je me suis fait comprendre? Y a pas de problème, monsieur, je vous ai compris. Quand vous me parlez poliment, y a pas de problème. Merci, monsieur. Rachel, vous pouvez le menotter, s'il vous plaît? Vous pouvez arrêter de me toucher, s'il vous plaît? J'arrive pas, monsieur. Mon sac à dos il se referme tout de suite. Ah non, c'est bon. Attendez, il avait pas un collègue là, le. Il est passé où? Au central, on m'a dit pour quelqu'un aussi. Posez, monsieur, vous pouvez me fouiller. Au central, on m'a dit qu'il y a encore quelqu'un qui. Et venez, suivez-moi. Oui, monsieur, t'as extérieur devant la grille. Jackie, vous avez saisi l'arme? J'ai un. Comment? Elle a dû traverser le sol, monsieur. Menottez-le, faites-vous pas avoir, les gars. Ouais, de toute façon, il a plus d'armes, mais j'arrive pas à le menotter. Ah bah, vérifie bien dans son sac. Et mettez-vous derrière sur le siège. Problème, monsieur. Messieurs les gendarmes, je vais réanimer la deuxième personne qui est dehors, si vous voulez venir monsieur, c'est comme si que j'étais menotté, y'a pas de problème. Est-ce que le lieutenant est là? Il y a qui est là, putain? Il y a le lieutenant et brigadier chef. Lieutenant et brigadier chef, ici, maréchal Cole. Surveillez-les bien, menottez-les et ne vous laissez pas avoir, les mecs. Hein. Voilà. C'est sur le bon muscle? Allez, monsieur, tenez bon, je suis là, ils se portent là. C'est le muscle Shift R. Ils vont s'il y a un souci, brigadier chef, je veux bien venir l'arranger. Non, c'est bon, il est menotté. Pas de problème. Même pas menotté, quoi. Brigadier chef, quoi, mon pote. Ouais, quoi. T'es vous, là? Moi, monsieur? Moi, je pense qu'il va passer maréchal des logis, vendredi. Alors, il y a des chefs, faites-le descendre, escortez la personne jusqu'en bas qu'on puisse avoir un oeil sur lui. Derrière quelqu'un. Là-bas, il y a des interrogatoires. Il a besoin d'une assistance médicale, moi je l'ai couché quand même. Si, si, il a besoin d'une assistance médicale. Attendez, ici, il va avoir besoin d'une assistance médicale. Cours pas avec un. Il est menotté, tu cours pas, mec. Monsieur, à 4h45. Je vais sortir parce que. Désolé, chef. Brigadier chef, cette personne aura certainement besoin. Tout comme nous d'une intervention chirurgicale, donc attendez les ordres du médic, ok? Mais ne lâchez pas l'œil. Je vous emmène aussi à l'hôpital pour après, vous voyez, mais il faut absolument que j'emmène à l'hôpital pour le recoudre. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué au brigadier chef, c'est ce que j'ai expliqué. Donc faut que vous, si vous voulez, vous me suivez en voiture. En tout cas, il doit monter dans le VSAV et il vient avec moi à l'hôpital. Il est où le deuxième insurgé? Voilà, montez arrière. Par contre, vous avez un véhicule plus haut. Hein. Quand je suis arrivé, il y avait un véhicule qui était plus haut. Je vous laisse le mettre arrière. Attends, je vous ai donné les clés du SUV. Caporal, vous avez réanimé le deuxième insurgé ou pas? Démenotté, monsieur. Non, ça va être compliqué. Ah, ok, c'est bon. Mais ça fonctionne pas, je trouve, quand il ferme la porte. Monsieur, vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Allez, venez dans l'ambulance.
Place. La porte est verrouillée. Place. Ah. Ouais, est-ce que exceptionnellement. À tous les gendarmes, il est où le deuxième insurgé? Le véhicule, puis le ramener parce que là, j'ai. Mecs, je crois que j'ai... Ah bah non, bah, j'ai un siège à côté de moi, c'est bien. Est-ce que vous me recevez? Ah, maintenant il peut monter le garçon. Vas-y, montez, voilà. Bon, on se retrouve à l'hôpital. C'est quoi? Insurgé, le méchant. Insurgé, je suis pas insurgé. Le deuxième insurgé, j'ai déclaré l'ordre du décès. Deuxième insurgé décédé, déclaration de l'ordre du décès par le médic. Ok, bien reçu. Qu'est-ce qui vous dit que je suis insurgé? Qui vous dit que je suis insurgé, monsieur l'agent? Vous avez des charges explosives, Jackie? Je crois pas. Ok. Là, ouais. Poli pour toi, cher ami. Ouais. Vous pouvez, monsieur, restez pendant le transfert explosive. C'est qui le macabre là sur le banquin? Ah, attendez. McCoy. Hey, on va se calmer, on va rester courtois, sinon ça va tout rager en plus comme maman. Bon, je vais juste cracher. Oh, c'est chance que j'ai mal au bras. Ne vous inquiétez pas. Là. J'y vais qu'à tout prix, heureusement j'avais trouvé un sujet par terre. Bien sûr. Par contre, vos collègues vous trouvent à l'hôpital. Exactement. Vous nous suivez jusqu'à l'hôpital ou vous faites comment? Affirmatif. Très bien. Hôpital de Tanuka, les gars. Jackie, tu me reçois? Oui, je suis en jour ça. Toi, tu restes au QG, non? Je suis dans la voiture avec un brigadier, direction l'hôpital. Attends, arrête-toi, brigadier, arrête-toi. Merci. Faut que j'aille. Non, mais en fait, il y a un véhicule derrière le tribunal, on va s'en occuper. Ouais, je vais aller le mettre à Forêt. Ok, bon, bah, je me fais déposer par le brigadier. Je reste au tribunal. Le brigadier, vous allez à l'hôpital? Affirmatif, je dois me faire soigner. Ok, bah allez-y. Je trouve pas la herse. C'est du grand n'importe quoi. Okay. Ah, j'ai plus de son. C'est quoi ce délire? Merde, je fais n'importe quoi. Ah, il y a du son. Sur la bonne route là ou quoi? Messieurs, je suis absolument désolé, mais urgence territoriale, je suis obligé
de vous laisser sur place. Compris? Je suis libre. Ah non, non, vous, vous restez là, vous êtes bien tranquille, mes collègues vont prendre la main, d'accord? Donc okay, là, ici, j'ai... ouais, c'est impératif, faut pas rester. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. Non, c'est pas de souci. Bonne journée. Ah, vous avez été opéré au moins? Attendez. Ouais. Faut vous, au moins, attendez, je vous offre à prendre deux secondes, mais faut au moins que je finisse ça, quoi. Sinon, en fait, vous allez boiter, là. Attendez, je vous recouvre vite fait. Voilà. Bon, on a vu tout ça. C'est tellement n'importe quoi, Maréchal. Oui. Ça va, ouais. Soigné aussi, hein. Comment? Toi, soigné. Ok. Merci, monsieur Médic. À plus le café. Ah, ciao. Maréchal. C'est bon, messieurs, vous pouvez vous occuper du monsieur qui est là. Je me suis pas encore fait opérer, moi. Caporal. Pardon, allez-y, montez sur le livre, excusez-moi, je vais m'occuper de vous. Par contre, juste avant que je ne parte, il n'y a aucun accord à passer, là. Il doit prendre cher. Il ne faut rien savoir. Débrasser, j'ai pas, voilà. J'ai pas la main, sinon. je vais vous piquer à côté avec l'aiguille. Ça non, hein. Voilà, attention. Je vous recoue et ce sera bon. Cool, merci. Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Merci, caporal. C'est juste pour prévenir, en fait. Le gars que vous avez tué, il a la même voix que moi, c'est mon frère jumeau. Ah ouais? Ouais. Par contre, attendez, est-ce que je peux effectuer quelques petits tests radio avec l'un de vous deux si vous avez juste 5 minutes? Parce que ça me taquine de part de rien entendre sur le canal 113 ou sur le canal... Doc, je sais c'est quoi votre problème, Doc. Avec l'hélico, j'entends rien. Je sais, c'est quoi votre problème? Quoi? Votre radio, il faut faire une mise à jour. Pour de logiciel? Oui, de mise à jour du logiciel. Ouais, vous devez la brancher au niveau de la caserne des pompiers. Vous devez brancher votre radio au PC et demander à ce qu'ils font la mise à jour. Monsieur a été soigné. Ok. Attends, monsieur, left your channel. Je vais aller en repos là. Vous pouvez l'embarquer. Attendez, j'arrive. L'embarque dans l'hélico, lieutenant. Je suis dans le SUV, hein, McCoy. Maréchal. Je pense que mon collègue est décédé un peu plus... Attendez, mais vous pouvez essayer de parler. Vous m'entendez là? Monsieur, arrêtez de vous moquer du médecin. Hein. Non, oui. la radio marche. Je sais pas trop où j'avais bête. Bon, ouais, merci monsieur en tout cas. Ah, y'a pas de soucis, hein. Ah, bonne journée. Pour ça. Rien fait. Ah, oh là. J'ai une urgence. Comme ça, sans raison. J'ai tué personne. Négatif. Ok, on appellera la balistique alors, on va voir. Pour information, lieutenant, cette personne n'a tué personne. C'est moi qui l'a abattu parce que son collègue a ouvert le feu sur moi. Il a juste pris en otage notre collègue, Greg Cole. Du coup, le monsieur à l'intérieur a tué personne? Le monsieur que vous avez dans votre hélico, il a tué personne, lui. Mais il a pris en otage, c'est lui qui est venu libérer son pote. Parfait. Vous allez où on sera en tribunal là.
Ah, il faut qu'on y retourne. Eh merde, le tribunal, on va se faire niquer encore. Là, ouais. Excusez-moi, maréchal, je suis retourné vite sur le continent. Bébé dragon. On part sur quoi là? Bon, bah, on a récupéré l'insurgé et du coup on va le juger au tribunal. Oh, là dans la voiture? Il est dans l'hélicoptère. Ah. Je prends pas de risque, je l'ai foutu dans l'hélicoptère comme ça au moins on est sûr que. On est sûr qu'il arrive à bon port. On devrait faire à chaque fois d'ailleurs, appeler un hélico pour les pour l'extraction quoi. Mais pourquoi directement au tribunal, je comprends pas. Que les jugements sur cette île c'est au tribunal en fait. Et après du tribunal tu les emmènes en prison. Si tu les emmènes au Comico en fait c'est juste pour créer un dossier sur eux et prendre des photos. D'accord. Histoire de faire des trajets en fait. Qu'ils puissent s'en sortir tu vois, genre là ils peuvent s'en sortir s'ils sont pas bien libérés tu vois. Mm-mm. De quoi courez pas avec un prisonnier les gars. Du côté de la lumière, mais là je sais pas, il y avait l'ombre et du coup voilà, l'ombre m'a forcé à faire ça. J'étais pas dans mon état, hein. C'était un état secondaire. Un état secondaire. Monsieur, si vous prenez des médicaments, comment vous avez réussi à vous procurer une arme? Maréchal, on spot autour, on ne sait jamais. Pas se mettre devant la fenêtre, c'est pas une bonne idée. Je suis un tannoncé intégré. Hein. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? J'ai les mains collées à ces menottes. Ça fonctionne pas là. Regardez, vous pouvez y aller, voir. J'y vais. Vous êtes où, lieutenant? À l'étage. Mais monsieur, vous nous donnez. Le gouvernement nous donne des menottes trop collantes, hein. Combien ça? Du coup, monsieur, moi, l'équipement, je l'ai, c'est pas moi, hein. Je suis pas insurgé, moi, je suis un mineur, mine de l'or, etc. Monsieur, que l'équipement soit à vous ou pas à vous, c'est vous qui la possédez quand même. Non, mais c'est pas moi, je vous le dis, pas moi, j'ai un état secondaire, c'est l'ombre qui m'a forcé à la prendre. Qui vous a forcé à la prendre, peut pas venir témoigner ici, alors c'est vous qui. Vous qui serez accusé de ça parce que vous êtes en corps d'armes illégales. Et... C'est pas moi, c'est l'ombre qu'il faut verbaliser, monsieur. C'est vous qui étiez l'ombre, monsieur. Non, c'est pas moi, j'étais en moi. Il y a une différence. En fait, il y a la lumière. Je referme toutes les portes, maréchal. Je suis putain du côté de la lumière là-bas. Et là, il y a l'ombre qui a. Pierre Mathieu. Elle m'a dit des trucs dans ma tête. Non, monsieur, si vous avez des problèmes psychiatriques, vous devez vous rendre à l'hôpital à la place de ramasser des hommes. J'ai pas de problème psychiatrique que le gendarme. C'est l'ombre. Mais l'ombre, c'est un peu spécial, là. C'est pas... On voit pas ça partout, hein. Vous pouvez lâcher votre sac, s'il vous plaît. J'essaie de ranger mes JVM. Ok. Monsieur, j'ai encore des chargeurs, hein. Vos agents, ils font mal le travail, hein. Ils sont là. Merci monsieur. Pardon si j'ai des petits bruits de personnes dans la gorge. Problème, pas de problème monsieur. Monsieur. Vous devoir vous mettre une amende pour possession de vêtements illégaux, possession d'armes illégales et tentative de prise d'otage. Je suis en état d'arrestation monsieur. Homicide aussi. État d'arrestation. Pardon, j'ai une question. Depuis 8h51, vous avez le droit de... Gendarme, oui. Mais il est trop tard, gendarme. Quoi? Que vous m'avez pas lu mes droits, je vais vous attaquer, moi. Ah, ok. Ouais. J'ai amplement raison, mais là, je vous l'ai dit les droits.
Il est trop tard, j'avais déjà les bracelets. On m'avait déjà dit que j'étais en état d'arrestation dans la voiture. Vous m'avez pas allumé droit. Brigadier chef, la fripouille. Vous m'avez même pas proposé à manger. Ouais, je répare mon véhicule. Quels sont les ordres pour la suite? On est au tribunal, rejoignez-nous. Vas-y, verbalisez-moi. Ok, bah j'arrive d'ici 10 minutes. Non, mais monsieur, c'est bon, on est dans l'obligation de vous laisser partir. Non, vous avez parlé d'amende, allez-y, verbalisez. C'est bon, on est dans l'obligation de vous laisser, je pensais quand vous avez lu vos droits, mais... Bah non, voilà, mais on se reverra quand même, je vais vous faire un procès. Un procès pourquoi, monsieur? Je vous demande votre matricule, s'il vous plaît. Attendez, je sais pas trop comment... Voilà. Lieutenant comment? Lieutenant Bruin. Je note ça, ouais. Vous allez me dire tous les noms, je vais vous faire un procès à tous les quatre. Y en a qui sont plus ici, hein. Lieutenant Brouille. James McCoy. Jackie Lafrepouille. Attendez, je note ça sur un petit calepin pour le procès. James McCoy. Les mecs, la prochaine fois, vous direz les droits aux rebelles, là. On va se faire envoyer au tribunal. Par le monsieur qui a été atteint la morceur pour lire les droits, sinon on peut pas mettre d'amende. Ah, quand t'es dans le coma, c'est un peu compliqué de lire les droits. Hein. Mais vous lui avez dit dans l'ambulance, vous êtes en état d'arrestation et vous lui avez dit. Moi j'ai jamais dit ça, hein. J'ai jamais dit ça. Il y a quelqu'un qui a dit vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Elle est plus, vous m'entendez? Elle est plus, mais la personne qui a dit ça, il est plus. Non, c'est bon, je suis libre, je vais leur faire un procès. Ils m'ont pas lu mes droits, ils m'ont pas proposé à manger et à boire. Je leur fais un avantage et qu'ils te rendent toutes tes affaires. Non, il déconne, c'est une farce, il aime bien faire des pranks, tout ça. C'est pas ça, je suis libre. Et un plus, négro. Pardon ? Ça, on va devoir vous mettre une amende. Ouais, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation pour outrage à agent, monsieur. Veuillez mettre les mains sur la tête, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de nourriture ou d'eau, on est là pour vous. Tout ce qui sera et dit. Ce que vous êtes en train de faire, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit, monsieur ? Que là, il y a litige sur le procès que je devais avoir il y a un instant, et là, du coup, vous en profitez pour un tout petit truc. Mais c'est pas grave. Ah non, monsieur, c'est pas un petit truc, un outrage, monsieur. En plus, c'est un outrage en ma personne. C'est un outrage en ma personne, monsieur. C'est pas grave, ce que je vais payer, vous allez me rendre en x10. Il n'y a pas de souci, monsieur, on ira devant les avocats. Vous pouvez verbaliser, mon lieutenant. Est-ce que vous pouvez venir ici, parce que je vais pas faire ça dans les escaliers, là? Juste ici, devant moi, ça va être correct. Ah, monsieur. User left your channel. User joined your channel. Vous pouvez enlever les mains sur la tête, par contre. C'est quel numéro de l'article pénal, lieutenant? Et je vais vous sortir ça tout de suite. Alors, outrage à agent, c'est le numéro 1.3 pour infraction administrative, outrage à agent qui va monter à, pardon, les bruits de perceuse, qui va monter à 1 000 €. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, pas de problème, je récupérerai en x10 avec mon avocat. Parfait, alors je vais vous donner une amende, monsieur. Alors, vous pouvez signer la facture. Et en plus, on se reverra avec mon avocat. Merci, monsieur. Les mecs, il faut toujours dire les droits de tout le monde, hein. Eh, on veut bien avoir les droits, sauf que c'est pas nous qui l'avons arrêté, donc c'est un peu... Et par contre, mon lieutenant, ouais, je pense pas que vous êtes obligé de donner les noms à un insurgé. Non, monsieur, on est dans l'obligation parce que là, on va devoir aller devant le tribunal et ça va être nous qui va prendre et pas lui à cause d'une erreur. Si on dit pas les noms, c'est encore pire parce que là, on va tous prendre comparé à celui qui l'a dit, il va en prendre, en tout cas, c'est compliqué. Et on va devoir aller au tribunal. Si monsieur, il nous accuse, bah, on peut se prendre une dégradation
ou trucs comme ça, là. On va devoir payer cher. Ça va pas être compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait mettre mon hélicoptère à Fourier? Jean-Marc avec vous et Jean-Marc avec les Jacquines. Ah, je monte pas dans ta voiture qui pue. Ah, tant pis. Alors, ceux qui sont dans les SUV, allez patrouiller vers le nord. Moi et Jackie, on va aller vers le sud. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que la radio est là. Ouais, tu fais juste un retour QG avant, il faut que je m'équipe. Je fouille vous rendre à Tanuka. Ouais, affirmatif. Gaffe, ce lieutenant, il connaît rien, il me saoule. En plus, il me saoule comment il parle, on entend rien quand il parle. Et qu'il l'a laissé partir quoi, c'est même pas nous qui l'avons arrêté, s'il nous parle, il nous donne nos noms, on a rien fait, on était dans le coma, tu veux qu'on fasse quoi? Ça me gaffe quoi. Si jamais mec que t'as besoin, il y a ma GoPro. Ah bah attends, c'est lui le plus haut gradé, il donne aucune info, il dit rien sur toute l'intervention, il a donné aucun ordre. Si, ah, si, oh, t'es mauvaise langue, mis à part... C'est ça qui a donné comme ordre. Hein? Ça fait rire ma petite fille en tout cas. Ah non, mais genre au tribunal, c'était pas à nous de l'interroger, c'était au lieutenant. Hein. C'est lui le plus gradé. Hein. Tout quoi. On peut rien dire parce que c'est Alphonse, il est anime, voilà, enfin tu vois, c'est relou quoi. J'ai de l'argent, j'arrive. J'aurais dû sortir à l'étal en fait, on aurait été tranquille quoi. Ah ouais, il s'en est sorti trop bien quoi, il a rien payé, il a toujours son stuff, voilà, il est sorti tranquille. User left your channel. User was moved out of your channel.
aussi lieutenant Brouille pour les deux qui sont à Tenka. On sera envers vous, je vais prendre la fin de service et je vais vous déposer Jackie, ok? Ah, c'est reçu. Mec, j'ai un message sur la radio sécurisée. De qui? Gennaro, ça va. Pas du tout RP. J'ai un otage. Tu tases de loin, sachant que l'otage était devant toi. Du coup, vous êtes mort. Pas très malin. Du coup, j'ai marqué où est le HRP. D'une, c'est pas moi qui ai tasé mon collègue. Et de deux, j'ai tasé l'autre, quoi. Dans sa gueule, ce mec, c'est un flic en plus. Le mec, il dit pas très malin, celui qui a ouvert le feu en premier. Il a ramé sa gueule. Okay. Des gueules, parce que les mecs, on est trois flics. Le mec, il est flic, il fait des actions de ouf, quoi. Ok. Arrête-toi. Là. Je vais fumer une clope, j'arrive. Je prends une absorbance cigarette mentale. You were moved. Monsieur Rojas, es-tu là? Tu es pas là, tu es là. FK gendarme, c'est beau ça aussi. FK en jeu. Bon, il y avait le maréchal, James Mottai, on prend avec. Yeah, ouais, c'était. C'était Francky, mais il m'a dit qu'il avait un problème. Non, c'est pas Francky. Francky, pas. Ouais, bah c'est Francky ouais, Porter. Ouais, il est parti, il a dû partir. Ouais, il faut dire, c'est toujours pas là. Il est parti fumer une cigarette. Il va arriver. Bah, écoute, on va l'attendre. Hein. Mais je pense qu'il est pas au courant du. Du taser qui fait du dégât quoi une fois que t'es tasé. En plus il a train de non respect des ordres hein. Ça va être viré de la gendarmerie. Et il est rétrograde ouais. Mais y a pas de garde en dessous. Ah. Il fait quoi McCoy? McCoy, il t'attend avec nous. Je suis là. Ah, je voyais. Ok, ah, c'est bon. Bon, il y a un problème. Apparemment, tu fais un non-respect des ordres de supérieur. T'as tenté Rambo. Qui? Bah, toi. Pourquoi je m'entends pas? D'accord. Parce que t'as non, pas de force d'activer, ça change. Ouais, par contre, parlez pas tous en même temps, sinon je comprends rien, les gars. Donc, j'ai fait un non-respect au niveau de mes supérieurs. Et t'as tenté le Rambo. Ça, après, au niveau supérieur, le gendarmerie, je veux dire... Non, mais de quoi tenter le Rambo explique-moi. J'ai tenté Rambo en voulant taser. Ouais. C'est qui a frotté une chaise derrière, là? Et en train de... Qu'est-ce qui s'est passé en voulant taser? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi le résultat de ton action.
Bah, en voulant taser, l'insurgé a rafalé, donc m'a descendu et a descendu son otage aussi. Ah bah voilà. C'était une belle opération, hein, psy ? Bah écoute... Excuse-moi. Non, ouais, pour moi aussi, c'est une belle opération. Ah, c'est une bonne opération pour toi. C'est mort, ouais. Ton otage il est mort, et non, c'est une bonne opération. J'ai été réanimé. Y'a que le rebelle qui est mort. Ah, pardon, t'as été réanimé. Non mais à partir du moment où t'es mort, hein. Je veux dire, t'as été réanimé, ok, mais bon, là c'est que t'as chié quand même. Hein. En gros, t'as multiple pare-balles, tu as pris de multiples balles dans le corps, ton maréchal aussi. Bah, en gros, tout le monde, hein. Ouais. Moi j'ai pas pris une balle. Hein. Est-ce que tu sais pourquoi l'insurgé l'a tiré ? Non, il doit pas savoir. Quand tu l'as tasé, est-ce que tu sais pourquoi l'insurgé a tiré ? Non, je sais pas pourquoi il a tiré. C'est automatique. C'est pas lui qui a tiré, hein. C'est ton coup de taser qui a tiré. En faisant un coup de taser, ça lui crispe le doigt. Bah, il y a ses nerfs qui se contractent et donc le doigt sur la gâchette, ça appuie. Voilà ce qui se passe. Ah, c'est pour ça la rafale. Ouais. Et donc ça, c'est considéré comme de l'HRP, ça. Alors, c'est ça que tu me dis. Hein ? Ça, c'est de l'HRP, alors du coup, avoir voulu neutraliser le... Non, à partir de déjà, il y a un truc qui me pose problème dans l'action, c'est... il braque ton maréchal. Ton maréchal te dit pas rentrer. Il le braque, il a du létal sur sa tête et tu tentes quelque chose. Le maréchal m'a dit de pas rentrer au moment où j'étais sur le bâti de porte, Alphonse. Si tu veux, j'ai ma GoPro. Hein. Ouais, bah envoie ma vidéo. Vas-y, bah sors-la. Ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que tu peux être satisfait d'une opération aussi what the fuck. Bah pour moi c'est pas what the fuck. Surtout ça aurait pu aller beaucoup plus loin que ça, hein. Ça aurait pu être une belle action et gâcher un coup à cause d'un... Pourquoi c'est pas de what the fuck? Pourquoi? Parce que t'as réussi à utiliser ton arme. Et qui c'est qui s'est occupé de ton recrutement sérieusement? Le général. On t'a pas posé une question quand on s'est occupé de ton recrutement, t'as pas dit quelle est la meilleure arme du gendarme? La meilleure arme du gendarme pour moi c'est la parole. Et bah alors, et c'est pourquoi tu l'as pas utilisé? Et pourquoi je l'ai pas utilisé? Parce qu'il y a eu des tirs des insurgés. Et à partir du moment où il y a un otage, t'es obligé de l'utiliser. Ah bon, il y a un otage, oui, il y a un otage. Mais ils ont quand même descendu un de nos collègues. C'est vrai que je t'embête, il y a un de tes brigadiers qui, sous ordre d'un maréchal, le maréchal était pris en otage. Jack, il est là, moi. Jack. Ouais, je suis là, ouais, je t'écoute. Ouais. T'écoutes, mais donc, sous l'ordre de maréchal James qui était en otage, il lui a dit de rentrer, de rien tenter au brigadier. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Le brigadier, il a rentré, il a tasé, et comme il a tasé, ben, un coup de rafale de la part de l'insurgé, ça a buté le brigadier et le maréchal. Et le brigadier est content de son action, parce qu'il a été revive. C'était pas moi l'otage, les gars, c'était Greg Cole. C'est pas toi, pardon. Et McCoy, il s'était fait descendre. Apparemment. Tu peux me refaire la scène rapido, Iron? Genre, le maréchal a ordonné l'ordre au brigadier de ne pas approcher, c'est ça? C'était pas le maréchal, apparemment, c'était l'autre. Apparemment, l'otage.